C'est ça. Mais, et Marcel, Macronon, tu as intervenu. Ah oui, c'est vraiment, oui, parce que oui. Docteur Cadet, d'ailleurs, sont habitués de Signal FM. C'est un homme qui est très présent dans l'émission Invité que nous gagnons. Il a parlé de sécurité, nous toujours fait appel à lui-même. Et je dis à condition sécurité, nous sommes capables de dire, ou j'ai l'impression que nous avons perdu contrôle sécurité. Alors, Docteur Cadet m'a posé la première question. En tant que fin analyste en matière de sécurité publique, je dis à qui ça n'a pas parlé. Est-ce qu'on a parlé de sécurité publique ou d'insécurité généralisée? Bon, et questions sont questions tout à fait pertinentes. Mais le problème, c'est que là, nous parlons, nous avons un problème grave de sécurité. Mais insécurité à lui-même, c'est plus son perception. Et c'est plus son perception, c'est ça qu'on est capable de voir. Par exemple, Haïti, pas un pays qui a plus de criminalité et banditisme qu'un paquet d'autres pays, mais le taux d'insécurité en Haïti est que l'exagéré, l'dépassé, dans le que tout notre pays sous la terre. Par exemple, Haïti n'a pas plus de criminalité que les États-Unis. Mais sur les États-Unis, et que n'y a pas réellement souci pour vous, pour qu'on ait que pour déplacer de point A à point B, il y a un souci pour vous, et puis du fait qu'il y a beaucoup plus de gangs aux États-Unis qu'en Haïti. Mais si vous aux États-Unis, vous vaquez avec toute occupation, sans qu'on n'ait pas qu'un souci de gang. Vous ne pouvez pas aller au gang, ni pas aller dans la ville, parce que vous êtes capable de rencontrer avec des éléments armés, des gangs armés. Donc, vous n'avez pas de problème ça. Donc, c'est ça qui. Donc, en réalité, nous avons un grave problème de sécurité, mais ce n'est pas qu'il y a, et que son bagage qui est là depuis longtemps, situation sacla, et que son émanation de des dizaines d'années de mauvaise gestion de la question de la sécurité dans ce pays. Par exemple, en Haïti, nos pays, c'est pour un bagage qui a une valeur, non, à faire sécurité. C'est pour un bagage que personne ne prend au sérieux. Président Monté, président descendre, premier ministre Monté, premier ministre descendre, sénateur, député, déjà, nous pas même comprendre la problématique là. Nous pas même comprendre ça devant nous là. Jusqu'à présent, nous pas comprendre ça qui a passé là. Et c'est à partir de mauvaise compréhension de ça là qui fait que nous pas capable de vision pour nous camper en face à ça là. Nous perdons net, nous pas comprendre rien. La preuve est bien grande. Sur la question des gangs qui vient dans le pays, hein, ou est que le président qui ça le fait, et que c'est une commission que le CNDDA que le mettait. Et que c'est quoi Mbadou qui prend le bali ou effet tout à fait contre-productif, et c'est soit regarde là. Mais au fin de mettre CNDDA là, problème, un million de fois pourri, nommé CNDDA. Jean-Baye là, il a accouli là, avant CNDDA là, il était plus bon. Parce que, MT dit ça déjà, le président prend le monter commission ça. Il y a un gros tonton patron média qui relève. Le ça, nous sommes New York, nous sommes Freddy. Nous sommes relève pour dire, docteur Kalem, nous sommes arrivés, faut-il parler avec vous? Nous dit, ok, qui miracle ça? Nous disons, oui, monsieur dit, oui, faut-il parler avec vous? Nous dit, monsieur, quel est le problème? Monsieur dit, mon cher président, prends votre commission là pour question de gang, qui sont pensés? Et me prend le temps qu'il fallait. Et me dit, monsieur, si président monte question de commission et que la piteusement échoué, même j'avais prévu. Parce que, question problématique là, c'est pas à faire le CNDDR. Mais qui ça qui explique? Ou pas qu'à le désarmement, qui mais ça, pas les deux bandits. Qui ça qui explique? Une minute. Parce que faut nous faire différence entre groupe d'hommes armés avec groupe de bandits armés. C'est deux idéologies, deux philosophies différentes qui exigeaient des approches totalement différentes. Nous avons un groupe de bandits armés ou pas capable d'approcher avec question de groupe d'hommes armés qui jouent pour échapper négocier avec bandits. Bon, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas qu'on chante de sa fête. En quel côté, qui jouent pour l'État, Chita, à négocier avec bandits, à nous négocier. C'est deux mondes, ou une force boycide, l'autre nous avons une force boycide, son given tech lié. Nous avons des bagailles dans le même besoin, nous avons des bagailles dans le même besoin, nous Chita nous négocier une à l'autre. Qui joue pour l'État fait, mais bandit, mon position de force pour que vous facilite pour la négocier avec. Très bien. Alors, question d'ailleurs qu'on a, c'est qui ça qui expliquait, par exemple, que Préval échouait avec CNDDA là, et que malgré les avertissements à version CNDDA qu'on y a là, il avertit le président, mais il plonge la dent tête baissée. Qui ça qui expliquait ça? Non, mais et regardez l'autorité ça, yo, parce que l'autorité ça, yo, dépourvue de toute compréhension de problématique là, puisque le pas qu'on a la dent, il n'y a pas de. En quel monde autour de lui-même qui connaît la donne, il a dit nous bagaille l'entrée la donne. Parce que la question de CNDDR, c'est un concept onusien.
OK, l'ONU qui allait en Afrique subsaharienne et que côté que des groupes d'hommes armés à caractère politique n'est cap défendre pouvoir, n'est cap défendre dans le consacre position dans la société a et pas bandi au terrain eux-mêmes et que qu'il y a là et que et l'ONU mettait ça en marche parce que nèg tout a kidnappé sérieux timon font sérieux gros actes de terreur, mais c'est pas de bandi au terrain, c'est pas monde qui t'a fait des choix délibérés pour servir dans la criminalité en tant que profession à part entière. Ça qu'on pas comprendre différence qui gagne entre un groupe de monde armé et que son groupe de monde cap disque tout pour bagaille bien spécifique. Moment. Tandis que bandit armé en lui-même, son groupe de monde qui font choix délibéré pour servir dans la criminalité et le banditisme en tant que profession à part entière. C'est le sale vivre. Donc on pas c'est pas même bagaille. Maintenant, pour un désarmement, qui j'en parle des armements, on m'a dit. Mais pour parler de désarmement et que bon niveau de force qui passait la donne. Souchit a négocié avec eux, il n'y a pas désarmement, il y a remis tous armes volontairement, mais et pas désarmement. Dans le cas particulier d'Haïti, on dit qu'on prend le désarmé. On dit que CNDDR, Conseil de désarmement, démantèlement et réinsertion. Déjà, même nomenclature là pas appropriée. Il y a aussi tellement pas qu'on a fait. Moment. Nous l'avons choisi pour mettre en commission. Totalement inapproprié. Parce que même si tu as l'entrée en logique de faire consensus ce que Pagé doit faire, automatiquement l'État chita avec Bandi, c'est un État failli. Ok, on va rentrer là-dedans, même sous le tableau Eiffel, mais le ça, on va chercher des hommes de consensus, on va chercher des criminologues, on va chercher des sociologues, on va chercher des psychologues, on va rentrer dans la logique ancien militaire. Parce que en logique ancien militaire, en tant que membre à part entière, il y a une perception que le dégager. Ok, donc de rentrer là, perception qu'on va là, ancien militaire, c'est l'équipe qu'on aime, c'est l'équipe qui semble que. Grande question de force qui rentre là-dedans. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, on dit qu'on s'en que, on peut aller et désarmer. Problème, c'est que nous comprenons que, question de bandit, hein, et quand on a le son côté, on pile fatra, à l'équilé, on est long camion, et c'est un camion fatra, et puis on ramasse fatra, et puis on fait nous nettoyer, et que tout le bagaille finit par le fatra encore. C'est absurde, parce qu'il y a toujours des bandits. Ça n'existe pas des sociétés sans bandits. Et depuis que les bandits ont des âmes, ont toujours des bandits, peu importe qui politique publique qu'on gagne, ont toujours des bandits. Vérité. Maintenant, après un choix, c'est mettre les balises à travers une politique publique pour capable de contrôler les bandits. Parce que dans les meilleures familles, les bandits existent. Et depuis que les bandits ont des âmes. Maintenant, pour montrer encore une fois côté négro, dépourvu de toute compréhension des problématiques là, on dit que pour un bon pouvoir magique, ok, on dit que Jésus est bah au parti bon Dieu dans l'omnipotence lui au pouvoir ça et puis on fait bandi pour toutes âmes toutes âmes bah bandi on ramasse toutes âmes pour le bah on prend toutes âmes net ou pas qui t'en rien mais un couteau qui problème solutionné, aucun problème, le problème reste entier parce que un le bandi en fait mais toutes âmes pas bandi encore. Bon, mon petit petit, s'il t'a fait type de réflexion, ça m'a chiré Baptiste, elle va petit pour lui. Hein? Le bandit en figure de tous amenés à 8h05, il va bandit encore? Moment, vérité. Parce que forme un bandit, c'est pas Zamna qui fait le bandit. C'est lui qui bandit en soi, Adam, c'est lui-même. C'est dans la constitution, les bandits. Moment, okay? Vérité. Et en plus, il a toujours continué bandit. La bandit, donc même le film gros met tous amenés, ok? Ou pas quoi alternative ou bali tout? Ou pas. Ça, c'est la réinsertion. Quand on parle de réinsertion, qui j'en prends le réinsertion, moi, qui va jamais essayer. La vision est qu'on a réalisé pendant le bandit $200,000 américains, qu'on a pris le 30 000 gouttes. Exactement. On va gagner pour offrir. C'est ça qu'il ne faut pas capable de négocier avec bandit. Et ça qu'il ne faut pas capable de désarmer bandit. Dans le cas particulier, Haïti, on n'en a pas les deux. Et que les gouttes réunis pour la paix. On va parler de G9 et alliés. Mayon, moyen tout. C'est une recette pour le chaos. Une recette pour le chaos. Donc, quel que soit Jean Prenant, c'est le chaos la produit. Donc, ça ne veut dire pas gagner de bon cas sorti là. Jamais. Ou pas qu'à planter ton pied calbas pour qu'on prenne le café jour. Ça n'existe pas. C'est une recette pour le chaos. Et le chaos commence à se faire sentir. OK? Le chaos commence à se faire sentir. Ou pas qu'à comprendre. Ou prendre des dieux de guerre. Ou prendre une équipe de voyous. Que nous-mêmes, encore l'État.
nous mettons nous mettons mandat derrière, on doit mettre mandat derrière, c'est pas parce que nous sommes professeur de l'école, mais nous sommes enfants que faut mettre mandat derrière. Et puis qu'il y a là, on dit nous ça que nèg ça et que c'est lui-même qui va mettre la paix. Déjà, la paix a pas d'intérêt, parce que c'est la guerre qui fait le salier. C'est la guerre qui fait le salier. Si vous n'avez pas de zamman, si vous n'avez pas de pouvoir de feu, je vous dis à la. Y a dit là, si on pas et des éléments qui absorbent la terre, pas des gens qui t'apprennent. Je dis là, on pour que et que bon premier ministre qui vient, et qu'on prenne le cadre des marches qu'il a fait pour essayer de porter certaines solutions à problématique là, et que le premier ministre a dit ouvertement et que lui régulièrement parle avec les bandits. Le premier ministre a parlé avec eux, en tant que technicien spécialiste dans le domaine, régulièrement parle avec eux. Non. Il va parler avec et colonel Rebu régulièrement. Non. Mais il parle avec bandit. C'est-à-dire que le banditisme et la criminalité sont deux professions payantes de cette société. Permettez-moi de poser, docteur. Alors, c'est quand même, il n'a pas dit qu'il parle avec un ancestral. Il dit qu'il est quel que soit. Il répond. Moi-même, je ne suis pas parce que je ne suis numéro. Et si je suis pas Aurélien, il répond. Oui, mais comment faire qu'on numéro? Oui, bon, qui je non, numéro premier ministre, public, mon cher. Et des publics, bon, merci pour l'invitation. Et puis, vous n'êtes pas capable de faire un sénateur de la République pression comme ça. Non, pas de pression. On va faire sénateur à pression. On va dire sénateur. Il faut le respecter, Moudou Meli, son futur candidat à la présidence de la République. On va faire un petit peu de bagarre Moudou Meli, pas bon. Oui, mais quand même, il faut le respecter, Moul. Ah bon, si il te baille, il a une obligation. Ça fait un abtan jusqu'à présent. Oui, alors, question que je vais poser, docteur Emmanuel. Ménard, et en tant que leader de force louverturienne, mais aussi en tant que monde qui travaille en pile avec jeunesse, on apprend une dimension culturelle. Alors, comment, c'est suite à ça, docteur Kades Odia, comment vous pensez au niveau de la jeunesse, vous percevoir un tel comportement? Ça veut dire que le premier ministre qui dit qu'il y a une capacité de dialoguer avec des bandits, alors qu'on a un jeune qui est à l'université, qui peut-être à la recherche d'une certaine opportunité pour discuter avec des chefs en notre société, à pas qu'à jeune. Comment perception ça, ou qu'à évaluer? Qui dégâts ou pensez que le cas fait qu'à jeune? Moment, vérité. On commence, depuis le premier ministre l'a dit, l'Altedo font des dégâts sur lui-même personnellement. L'Elfine dit, même si c'est une bouche qui échappe. Donc immédiatement, la connaissance, lui ou est qu'il dit ça, des premiers dégâts que tu dois faire sous lui. Donc, c'est cela en Haïti, nous mettons en tête qu'on requin ta vie végétarien. Moment, vérité. Ça va exister. Deuxièmement, docteur Kadet a bien dit, il y a une différence entre les gens qui ont des âmes qui font une revendication, qui ont une idéologie derrière, les sont capables sociales, des cas politiques, des cas religieux. Mais au monde, son professionnel du chaos que lié, il faut des politiques publiques pour adresser la question. Et l'offre de faire politique publique là, c'est pour dire qui institution, moins gagnant, qui pour atterrir sans besoin faire par rapport à sa guerre. Mes amis, nous tous qui là, les madames, nous vote, nous pas aller qu'à un esthéticien. C'est qu'il y a un obstétricien, même si on peut finir en un. En Haïti, ce sont les élites professionnelles en tout bagaille qui doivent faire politique. Mais en Haïti, c'est comme si chaque tout le monde échoué dans sa table fait, les venus jeter dans la politique. Là. Okay. Hein? Et grand époque, il était presque fait la presse là, ça. Des bons noms. Même j'avais l'école, négla. Son mauvais ingénieur prend bâton la crédit, là, il fait cours mathématiques. Nègre l'a étudié médecine, clinique, il n'y a pas qu'à marcher, il prend bâton la crédit, là, il fait biologie. Quand il a utilisé, c'est l'industrie, ou la sécurité privée, ils ont utilisé comme ça. Donc, il n'y a pas gagné un café, il n'y a pas un petit job sécurité. Parce qu'il y a un marché. Juste. Donc, comme pas de politique publique, l'État a failli dans le domaine,
la nature a horreur du vide, eh bien, tout le monde crée ma chère. Oui. Moi, je me songe, en 86, et t'es gain, du treuil. C'était Youn, là, ancien nègre qui était participé dans le premier détournement d'avion qui était fait en Haïti. Hein? Et nègre, ça est entré, ils ont lancé une compagnie que les SOS Sécurité. L'État bat aux autorisations, peuple prend la rue, s'accraser. Alors que c'était soit là que tu as pas le fait là. Mais nègre, même comme ces spécialistes ont eu la question, yo, j'ai une société à pied là, son bagage qui gon marché, et puis yo, t'es contre créé. C'est la même chose qui nous vit là. Donc, où est là, ces mêmes gens, c'est pas sécurité seulement besoin avec un vigilant, ils ont l'autre besoin, la même filière ça. Il y a des gens qui prend un bodyguard qui vont marcher avec eux. Bon. Et il y a des gens qui prend des gens sans compétence qui vous font enquête privée pour eux. Alors que c'est un gros professionnel détective privé. Donc, ce sont des filières, même à l'université, même au niveau économique, maintenant au niveau politique, l'on dit politique publique. Et l'on dit ça, t'as l'air m'attendre religieusement, ou dit l'ancien ministre, dit le bagou qu'elle fait de route. Non seulement c'est vrai, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ah, vous êtes honnête pour le dire ça. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Que ministre, directeur général, il n'y a pas aucune feuille de route là, mais yo. Baron, si Koloat est gagné. Donc, pour me répondre à une question, non? Au niveau jeunesse, bandit, il n'y a pas sauté le ciel, le vide, non? Là, nous souvent, nos machines, nous blindés, sous auto, del mal, sous aéroport, bon, si mon 5 ans, vient à contre elle. Eh, papa, monsieur, pas mon machine, moi! Sous cas de sang, nous font des. Mais 10 ans après, s'il te gagne 6 ans, il te gagne 16, il n'y a pas ton actuel. Non, tout n'a pas d'homme. Vérité. Ah, c'est société à créer, bon Dieu. Moment. Vérité. Société à créer, bon Dieu. C'est pour société à dégager diète. Ah, m'a pas dit, il t'oblige, bandit, non. Mais société à mettre en condition pour venir bandit. Justement. Et docteur Mina, permettez-moi de préciser vous, c'est que moi discuter avec. Ils ont haut placé dans le gouvernement sous ouais. Question. Non, pas c'est non, sous question ouais. Bandio. Non, on m'a dit. Pourquoi ça fait le bonheur? Dans la discussion que j'ai gagné avec plusieurs jeunes bandits dans la société, mais quand pile de qui passaient dans l'université, ça veut dire que ce n'est pas seulement jeunes qui étaient dans la rue qui viennent bandits, mais je dis à l'événement plus grave. Ou qu'il y a des jeunes qui passaient souvent l'école, qui passaient dans l'université, et qui, je dis, a identifié tête comme bandit, parce que l'audio, c'est la seule porte de sortie que vous voyez. Alors, tout ce voilà. Qu'on a dit, c'est avec CNDDA, vous parlez. Non, docteur Kande, c'est pas avec CNDDA. Non, pas avec CNDDA, là. Okay. Ma palo des professionnels qui ont discuté avec des jeunes, qui ont expliqué. Alors, vous qui parlez avant, là, au niveau du pouvoir, là, c'est. Bah, c'était non, mais je veux dire des uns. Vous laissez comprendre, c'est pas de parole, c'est un des non, alors, c'est pas dit ça, mon cher, ça va gagner. Alors, t'es mieux pour nous. Donc, t'as qu'à des fêtes, Dieu. Son profession, il est humain, là. Oui. Donc, les mecs, là, sortent à l'université, diplôme ni l'emmène. Les gars de l'ouel en parlement, il n'y a pas besoin de plomb. Les gars de l'ouel en cabinet ministériel, il n'y a pas besoin de plomb. Et peut-être juste, seul sacrété, même si je toujours. Pour elle, comme bah qui pas marcher, c'est la justice. Oui. Alors, il doit dire au magistrat pas fin de compétence, mais il va pour moi qui va prendre l'innette. Non, au moins licencié en droit. Mais, maintenant, la constitution de la République, la loi électorale, seulement pour le président de la République, pour l'homme facteur, office des postes d'Haïti, faut qu'on lit. Il va prendre le président, le sénateur. Ni député à pour le conduire. Moment, vérité. Je vous demande par exemple, on est qui voit le sénateur député, si vous êtes en charge de l'État, vous avez dit sauté. Il faut gagner des charges. Des charges. Bon, l'âge pour gagner. Il ne faut pas déjà me condamner à une peine affective et infamante. Il n'y a pas de critères d'autre académie. On est qui magistrat, alors que le sénateur est censé pas pouvoir gérer l'argent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ordonnateurs. De fait, les ordonnateurs
principaux et qu'il y a des ordonnateurs secondaires. Maintenant, si nous avons une compagnie qui compte peintirer, si l'État bon job, contrat pour peintirer par l'air, nous bon mot avance. Pendant l'argent, l'État l'a même non, mais bien son gouvernement d'hypothèque. Parce que l'État fait question de l'argent pour moi. Pour me faire travail, je ne peux pas remettre lui. Moment. C'est pas l'on job ou ordonnateur. Alors ça, c'est ordonnateur de fait, parce que bon l'argent, l'État décaissé pour vous. Là où nous avons papier en main, on. Ou talent affaire social, yo bon autorisation entre guillemets, parce que je ne comprends pas ça veut dire, et au fond organisation sociale, mais organisation autorisation au bas, comment vous allez? C'est une sous corruption, hein? Ça avec lui, la banque obligée, ou vous compte pour vous, la banque là. Moment. Donc immédiatement, tout homme qui a deux valises dans main, ou valise chéquier, à qu'on valise autorisation ministère affaires sociales bail. Donc depuis ministère affaires sociales bail, l'État a bon subvention. La subvention veut dire quoi? L'État, pas qu'à faire un bagay, privé à Getty Cob la fait, mais pas qu'à faire une fête lettre, l'État, au lieu qu'elle dépense 100 000 dollars pour le faire, les jeunes privés qu'à faire, lui mettez 10 000 à privé à faire. Subvention, on va vous dire son argent pour aller manger, non? Là, on va subvention, on va pour un coup de contre, parce que l'argent de l'État lié, oui. Même si subvention, on va vous dire cadeau, non? Je subventionne. Une activité à faire, cadeau à ces gratifications, oui, ou bien assistance sociale, oui. Nous n'avons plus gros problème, nous gagnons en corruption. Comment voulez-vous, l'Europe font budget de la République pour toutes les institutions de l'État, bon ligne qui marque assistance sociale, assistance financière, d'études scolaires, assistance, et pour. Il faudrait enlever cette rubrique. Dans l'ensemble des institutions étatiques, si on fait un gros institut national de protection et de réinsertion sociale, qui t'a gagné l'ONA, ou Fatma, bien-être social, CAS, n'a tout, gros département qui assure le monde pour maladie, gros département qui assure le monde pour travail, gros département qui assure le monde pour le bon pension, bon département tout, syndicat le branchage. Moment. Donc là, ça, vous avez gagné le vrai ministère de la solidarité nationale. Pour suspendre faire peuple, même soit faire le cadeau, pour retirer l'assistana. Dignité, dignité. Donc, net qui a un diplôme là maintenant, qui n'a pas le travail là. Et puis, là, regardez le bandit, d'ailleurs, radio et la télévision, fait publicité pour bandit. Moment. Les bandits a fini font coup, bandit a dit, ah, mais prends des camions là. Là que je fais, oui. Ma classe est camion, non? Bon, nek la captain de ya, c'est vel li faible. Bon, pour lui, ça ne peut pas rentrer dans le bandit. Ou peut-être, ou nek qui policier, ou nek qui avocat, ou nek qui militaire, qui médecin, son bagay li, ou médecin, t'es fait, ou bagay li, ou tout remet, profession. Et bien, vous nek la carrière, mais bandit ya. Parce que société a, pas mal l'autre modèle, et l'État. L'État. Et tout en plus, dernier, ça m'a dit sous question ça. Nous avons dit, pas l'État, il y a deux monde qui est en prison. Moment. Les véritables tout le temps de qu'un bandit qui a simé la cangrène dans l'opéra. La toute bandit arrêté. Combien de bandits autant de gens fait pour celle? Oui. Pas de chambre qui procède, non? Combien de doigts autant de gens qui procède fait? C'est ça. Si vous avez mis des toits nègres avec la MAC, vous avez trop de révélations. Donc ça veut dire, nous avons une république, côté la délinquance est une délinquance d'État. Moment. Vous pas dit terrorisme. Nous avons une délinquance d'État. Et donc, si nous avons une délinquance d'État, nous suspendons la République. Donc, si nous suspendons la République, nous ne sommes pas pays. Si nous ne sommes pas pays, nous sommes côté parce que terre a existé. Donc, la terre a existé parce que nous avons des gens du pays pas disparaître. Tout le monde a disparu, oui. Où est-ce que nous avons une terre là? Et puis, Haïti n'est pas pauvre. Non, nous, même nous qui fait terre pauvre. Quittez-nous pour quantième nous là. Nous avons quelques îles là. Choisis des mondes déterminés. Vous apprenez des Asiatiques. Vous avez dit qui nation pour parler. Vous avez un monde qui a des problèmes, conflits terriers pour faire territoire. Qui par exemple de l'eau. Bah, une île là. Le moins de une décennie, vous ne pouvez pas connaître les noms. Donc ça veut dire que nous avons un problème de mettre nous ensemble pour dire ça nous voulons. Parce que assez souvent en Haïti, moi, Haïtien, mettez tête ensemble pour dire ça, vous ne pouvez pas. Très bien. Moi-même, je suis content. Je moi,
n'a pas fait manifestation, c'est pas dit, n'a pas dit, nous pas vrai. Nous formalisons cette sensation pour nous dire, mais ça nous voulait. Alors, merci beaucoup, docteur Emmanuel Ménard. Il y en a pas que nous constater, c'est que, au niveau du pouvoir, nous avons l'impression qu'il n'y a pas établi corrélation qui gagnait entre l'économie et le banditisme. Parce que, n'a pas fait référence au fait que, n'a pas un exemple clair. Nous avons Varla, ça aurait les Varla en bas. Dans le même discours qui était gagné là, nous songeons que le Premier ministre l'a dit que, yo bloqué en bas, et bandit yo te mandé pour que yo débloqué. Cependant, qui ça a fait? Yo fait que toute voie yo contourné vers Ruyer la lettre. Et l'eau al passe dans Ruyer la lettre là, ou yo doit faire n'importe 4 temps, 5 temps, ou même en journée dans Ruyer la lettre là. Colonel Mbral besoin, oui, c'est vous quoi le parler là? Ou yo doit faire même en journée dans Ruyer la lettre là. Nous avons pile moun kap koutem là, et nous pensons que yo gon clin d'œil pour nous. Nous avons 5 départements en dans société à Jodia qui a sujeti, qui a genou à cause de problèmes de sécurité. Par exemple, nous avons département sud, nous avons sud-est, nous avons on partit dans le département de l'ouest là, ça veut dire toute zone Carrefour et Gressier, et m'a pensé à tout entrepreneur qui est dans la zone ça là, tout monsieur ça est entreprise, il n'y a pas qu'à fonctionner encore. Et nous avons département NIP, et est-ce que nous avons grandance déjà? Nous avons grandance. Moi-même, je me pose une question, je prends un volet sécuritaire, et puis après, en tant que chef de parti, je me dis que colonel Ribio répond à ça. Comment un gouvernement peut ne pas-il, comment fait pas sensible à effet négatif leur constater visiblement où il y a des entrepreneurs qui ont fait faillite, où il y a des zones, des mouns qui ont venu appauvris? Et je prends cette zone ça seulement comme exemple. Je ne prends pas que Port-au-Prince là, je ne prends pas l'autre zone. Ou même en tant qu'expert en sécurité, est-ce que généralement, par un lien de cause à effet entre l'insécurité et l'économie? Sans doute. Sans doute. Mais la question posée là, d'abord, il faut amender dans toute structure d'État qui sort et qui a planché mal et que l'État prend en considération et que l'État prenne à cœur, et que l'État prenne des mesures, et que pour porter correction avec elle. Moment, ben, vérité. Il y a 6 mois de mouvement, nous ne pouvons pas dire. Nous avons l'autre 6 mois encore. Dîmes qui sont, ouais, qui ne pas fonctionner dans le pays, au pays pas gagné, qui ne fonctionner là-dedans, et que, ouais, que l'État prenne des mesures pour contrecarrer les bagailles qui prennent mal. Bon, nous sommes constatés. Parce que c'est moi qui pose des questions, d'après vous, nous. Et de répondre, docteur, là. Scandale. Parce qu'il crée, et puis l'air vini, il vient à répétition. Moi, le colonel Ribu répond à la question tout à l'heure. Il y a un constat que je fais à l'extérieur, quand il y a un capitaine de mon diaspora, il y a pris compte que il y a des zones où on remarque que les policiers sont plus présents. Il y a des zones où on sent une augmentation de sécurité. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a des banditistes dans la zone, non. Parce que ce sont des zones qui méritaient que la police couvre le plus. Et j'ai toujours remarqué, même au niveau de la circulation, une certaine nécessité pour qu'il y ait assuré fluidité de circulation, parce qu'on connaît le relié économique. Pour quelle raison fait nous-mêmes, c'est le contraire-là qui fait, en tant qu'expert en sécurité, d'ailleurs, répondre à la question. Ça. Premier bagage, mon bagage qui est chapeau, mais c'est tout à fait normal, parce que le domaine n'a pas de domaine. Présence de policiers dans une zone banditique de sécurité. Moment. Non, mais diversion aussi. Non plus. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un problème. Non plus. Parce que. Présence policière dans la zone sont armes à double champ. Ok? Parce que songez, c'est pas quantité policière qui a sécurisé, c'est qui qualité policière. Moment. Donc l'aspect quantitatif de la police, il n'y a pas utilisé bagage encore. C'est qui qualité policière, niveau de professionnalisme, dans qui schéma policier vous rentrez. Qui l'école qui forme, qui doctrine qui forme, qui s'est défendre, c'est lui qui fait la police. Parce que supposons qu'on ait 5000 policiers dans la zone, et que dans 5000 ans, il y a 4500 policiers corrompus. Vous parlez policiers du tout. Donc, présence policière, sont en double tranchant. Déjà, si on met tout policier ça, c'est que gros problème. Okay. Ou pas qu'à utiliser policier de cette façon. Parce que de bon côté grand pile, de côté pas jeune. Donc, répartition effectif policier, hein, il est fait pour le faire de façon technique et scientifique, en tenant compte de la réalité de chaque zone. Donc, prends pas quel policier mettez. Bon, supposons que on dit que dans le village là, on prend moins, on met un paquet de policiers on mettait.
Bon, c'est notre police. Si notre police, ça remettait un, puis forcément, village là, qu'ils ont fait. Moment. Sur le fait, il n'y a aucun problème. Donc, problème, c'est à la base pour prendre. Et c'est un gros problème que nous gagnons. Nous comprenons que la police capable de solutionner le problème de sécurité dans le pays. Hein. Jamais. Et c'est ça que de jour en jour, la police a vu moins efficace. Parce que ce n'est pas la responsabilité de la police de sécuriser le pays. Mm-hmm. C'est une responsabilité d'État. C'est l'État qui est responsable pour mettre sécurité. Mm-hmm. Et tout autant que l'État n'a pas une vision à partir d'une volonté politique pour mettre sécurité, déjà, là, déjà, l'on a parlé de Mdalou, approche la police, présence la police, c'est le mécanisme de sécurité, machine sécurité à fin monter. Mm-hmm. C'est le ça, la police a lui-même pris le compte qui va l'y jouer. Parce que la sécurité de nos pays, son bagage qui impliquait beaucoup plus. Que des idées policières, mm-hmm. que des interventions militaires ou policières musclées, l'impliquer beaucoup plus que ça. Mm-hmm. Parce que, paquet de bagages, que police là, pas de capacité, ni pas de qualité, ni pas d'expérience, ni pas de moyens politiques, ni pas qu'entrer là-dedans. Mm-hmm. En plus, dans le cas particulier d'Haïti, du point de vue organisationnel, j'ai constitution, monter la police, non, ni pas jamais bail résultat. Ni pas jamais bail résultat. Parce que, ou gon la police qui gon caractère de subalterne face tout le monde. Ou pour la police, ou mettez un CSPN, dans l'idée constitution, à mon avis, c'était une très bonne idée. CSPN a une technostructure composée par des mouns. Et de la trempe de colonel Rébu, Dr. Kader, puis l'autre encore, qui est capable, et que qui pour prodiguer des stratégique. Justement stratégiques, les bagages la pire, les bagages la pire conseil, hein. Mais dans le cas d'Haïti, c'est le contraire. Mm-hmm. Qui est sur sous lui, c'est Lippe Mandeli. Qui est sur sous lui, c'est Jout. Vous comprenez? Regardez tout le monde qui est sous tête de la police, là. Mais c'est pas Jout que vous mettez, c'est le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, là. Tout le monde qui est sous tête la police là. Les gros bagailles qu'on est dans l'affaire police, c'est écrire le mot police parce que c'est le mot français. Mm-hmm. Donc, l'on mettait 5-6 autorités sous tête du directeur général de la police et que fonctionner dans deux mondes différents. Parce que nous ne savons pas comprendre rien de la police. Et Fakmouzi, dans le CSPN, le directeur général de la police nationale joue le rôle de secrétaire. Rien du tout. Mm-hmm. OK. L'autre, le sait qu'on soit où elle. Maintenant, le problème n'est plus conséquent. Et que, langage directeur général de la PALEA, et que pas des gens qui comprennent. Mm-hmm. Et le CSPN nous réunit. Alors, fais-nous une petite correction. Une petite correction. C'est le. Parce que son directeur en face circulation. Bon, vérité. L'inspecteur général, l'inspecteur général en chef. Un chef qui joue le rôle. Chef de la police. C'est joue le rôle de secrétaire. Ok. Et c'est quoi le rôle du chef? Non, il est un membre du CSP. Il est un membre. Ok, très bien. Okay. Mais naturellement, CSP n'est pas un organe opérationnel. Au contraire, alors presque une structure ad hoc qui pas un caractère permanent, etc. Sort docteur Kader Abdoula, salte douillea, moun kap monte bayo, pas konnen sa affaire. Exactement. L'idée fait pour ton structure d'orientation stratégique par rapport à la politique générale de l'État en matière de sécurité. Ça n'a pas existé. Parce que la police, d'ailleurs, en matière de sécurité, l'ont obligé d'intervenir, c'est qu'on perd du contrôle sécuritaire déjà. L'ont obligé d'intervenir. Sur le plan curatif. Donc, après coup. En matière de sécurité, l'ont obligé d'intervenir. C'est qu'on a perdu le contrôle. Ça comme dit, c'est ça après coup. Parce qu'on a été avenu sur le plan préventif. C'est comme dans une famille. Quand un père est obligé d'élever la voix pour se faire obéir, il est en perdu le canot d'obéissance sur les gens. Il fait avec une simple ouverture, une rentrée côté au fait pour entrer. Mm-hmm. Donc, là, on ne peut pas obligé d'utiliser la violence pour le cas imposer. Pas son respect, parce qu'il a perdu le respect à déjà. Mm-hmm. C'est que le bagage pour ne pas faire. Assez souvent, de vous parler de sécurité en Haïti, on a un uniforme, on a un âme. Exactement. C'est ça. C'est une conception erronée de la chose. Oui, totalement.
La sécurité est d'abord une pensée stratégique, c'est une pensée sociale d'abord. Et par exemple, il a parlé de insécurité, de banditisme. Chaque fois qu'on a frappé, nous nous souffrons de eux, nous plaignons de eux. Et souffrance, ou bien, vient faire nous gagner des humeurs, des bagages que nous voyons monter, qui pas répondre, qui est émotionnel, qui pas répondre à aucune logique. Pour moi-même, en Haïti, ou bien, les bandits, c'est pas les gens que tu vois dans la rue. C'est pas les gens que tu vois dans la rue. Et, par exemple, bah, CNDD, on a parlé. Moi, appelez-moi un jour, président de la Valais nationale, dit, ah, colonel, nous allons monter CNDD, là, dans mon point en charge. Il dit, président, écoutez, pour qui ça? Non, parce qu'il faut pas faire ZAMSA à trop de me. Il dit, mais arrêtez vos amis qui font entrer les armes, qui les distribuent. Moment. Si vous avez eu ce problème, si vous avez eu un fonds politique, vous avez couru des chagrins. Vous dites ça en face. La fille, vous dites 100 000. Bon, nos radios, ma politique, nous n'attendons pas, vous dites si nous disons en face. Mais quelle a été sa réponse? Le président va mourir, il va mourir. Il dit arrêtez 26 de vos amis. Et vous n'aurez plus de problème. C'est mon ça a été mobilisé ou bien été neutralisé lorsque vous êtes en tête sécurité publique là? Pour l'élection 1? Non, c'est dans l'autre équipe qui était neutralisée. Mais on toujours qu'il y a les mêmes chiffres là. Équipe, non, je parle de affaires, circuit. Parce que pour bandit à bandit, il faut le instrument. Ce n'est pas seulement volonté, bandit à qui n'est qu'à pour faire ça. Il faut qu'il y ait alimentation. Instrument le gain, son ZAM. 99% des gens qui ont ZAM dans le monde, il n'y a pas qu'on qui peut prendre un téléphone pour commander un ZAM pour acheter un ZAM. Il n'y a pas qu'on qui j'ai pour faire pour alimenter tête en cartouche. Donc si c'est nègre, ça m'a plu beaucoup d'idées. Je n'ai pas besoin de résoudre le problème. Le bas, c'est pour l'eau à descendre dans la ville, la fatra, etc. Mais ce n'est pas. Ok, il faut aller curer le canal. Mais il faut aller dans la tête, mon côté, me quitter. L'air la pluie a tombé, mon vrai fatra a descendu. L'eau a descendu, il descend avec toute terre arabe, la vie de l'eau. Mais le problème n'est pas en bas la ville. Il est dans la tête, mon que nous. Donc, là où elle devient, c'est en fait dans la société. Il n'y a pas en bas. C'est un lèvre pour aller chercher. Et au pas, ouais, chaque fois, problème, assez souvent, le PTV, de temps en temps. Dernier moment de Odo, il y a trois containers et qui te gagne des armes, qui te gagne des munitions. Les bruits, le scandale à la fin de fête, on va amener des balles de sang encore. On va amener des balles de sang encore. La douane saisie, temps en temps, le Odo, on capte saisie, la fille, tout est saisie, etc. On va jamais connaître qui monde qui te commande des amis. Modèle, docteur Kadela, comment vous voulez parler de sécurité dans le pays, premièrement, on va gagner identification citoyenne. Ou pas qu'on équipe aux citoyens hérités. Ou qu'on problème de l'occupation géospatiale. Et sécurité à son science liée. C'est pas un cas où on va aller. Son science liée. Son science liée. Qui fonctionne à partir d'une formule. Voilà. Du coup, c'est deux règles de base pour vous respecter. Oui, c'est deux règles de base. Mais quel est le bagage qu'on a fait? Mon cap vaut pour mesdames. Bon. Mon cap a le fait même pour mesdames dans les trois semaines. Mais pas bon. Parce que moi pas obéi aucune règle scientifique. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des élections. Non, permettez-moi juste juste une seconde. OK. Vous t'es parlé de l'affaire de l'élection. Le président Bouvier, il me dit, ah, j'étais son conseiller dans le cabinet. L'élection pour arriver ce moment-là, nous ne pouvons pas permettre que de aucun bagage qui vient nous faire nous perdre. Et réalisation élection. Même bon, depuis 15 jours, ça vient de tête, même m'embêter, je dis pour qui ça, président. J'ai dit, mon ministre. Mais côté pour t'aller, pour essayer de résoudre la sélection, moi, c'est comme si j'étais l'État de sécurité publique pour t'aller. Je dis, président, maman, non, bah, son job va ben moi, ou bien mon mission va vraiment l'accomplir. Moi, je me dis, même si vous voulez comme caporal, sous passé c'est moi qui fais, je vais le faire. Mais pourquoi ça m'a accepté? Parce qu'il n'y a pas un banditisme foncier avéré quand on emploie le pays, quand ils sont des criminels endurcis, organisés. Dans le sens que la doctrine, idéologie. Ou bien de monde que la société a réduit en dehors de la vie, Jean-Docteur Ménat Abdoulia. Nous ne pas traiter comme monde. Nous retirer tout ça comme espoir.
c'est ça font d'abord qui est arrivé universitaire et puis il est tombé bandit. Il y a plusieurs qu'on a témoigné, mais dans qui classe arrivé, mais côté arrivé, je vous dis, c'est on a obligé de qu'un bénin pour vivre. Donc ce sont des aigris que la société a fabriqué et qu'on a une réaction contre la société, elle connaît très bien, en mettant sa vie en danger. Donc le problème n'est pas là. Le problème est en haut. Donc l'homme veut ça me paraît. Il dit, le président, je suis d'accord. On y a une équipe, on peut faire une étude socio-psychologique qui est liée à la sociopolitique. Qui monde qui mettait des autres dans l'élection? La première question, nous faisons une réunion de 3 aides. C'est le monde qui n'a pas qu'à gagner l'élection. Pour le gagner, il faut le craser au bureau du vote. On compte, on est capable de gagner. Qui veut pour le craser? Il ne va pas le faire ça lui-même. Parce que chef bandit a toujours son capon lié. Par exemple, nous rappelons le président de la cité pour mettre des âmes dans la cité soleil. Nous disons qu'il y a deux petites filles pour pas mettre des âmes dans la tout. Moment, faites-il ça? Bah, je ne parle pas parole. D'ailleurs, je ne suis pas à ma rewind. Je ne suis pas à ma rewind. L'aime ça, je ne dit ça dans la radio. Mais si elle a fait, non, pas je me rencontre avec lui. Nous sommes petites. Comment vous voulez comprendre, par exemple, je dis à mes premiers petits prêts, il y a 43 ans. Vérité. Mbakwe, si jamais les gens âmes, c'est le dans la mêlée qu'on nous a. Donc, Mbakwe, les âmes, mettez-le dans le petit peu pour qui ça? Parce que nous connaissons son bagage qui n'est pas bon. Mais maintenant, comme nous qui nous positionnons l'État mal pour les âmes, nous mettez-le dans le petit pour l'autre monde. Donc, le criminel, ce n'est pas la personne qui a l'âme. C'est nous qui allons mettre les âmes dans la mêlée. Donc, nous connaissons qui est nous qui est capable de faire des ordres dans l'élection. La première chose, on fait une seule opération. M'écrit une lettre à président chambre députée, m'écrit une lettre à président sénat. Ni en tant que secrétaire d'État, sécurité publique, moi j'ai besoin pour vous répondre, ben lisse, tout ça, avec numéro, originaux qui a assuré sécurité parlement. Moment, vérité. J'ai besoin pour vous, ben on lisse, tout ça, tout le monde, avec nifio, signio, qui a assuré sécurité chaque député et chaque sénateur, qui zam yo gen nan men yo, côté zam sa sorti, bam tout papier, tout référence yo. Je te fais suivi à demande ou? Non. Le fond au comité, vous montez contre le président. Son cas et sa attitude que vous ne pouvez pas faire. Vous montez. Bah, parce qu'il n'est pas capable non plus. Rebut fréquent, etc. Rebut fréquent, comment est-ce capable de permettre lui? Président, le secrétaire d'État, contrôle là, nous n'avons pas le président. Au cas où vous faites côté de nous parler, il n'y a pas un problème, président. Le bête, mon plus grand nègre, salue. Il dit, oui, mais où il a écrit. Là, on parlait de président privé. Oui, oui. Où il a écrit, chambre députée avec Sénat, mais dans le cadre de mes attributions, moi écrit, côté moi, je suppose qu'il y a des âmes nommées. Logiquement, je ne sais pas comment tu as écrit. Ah. Ou comme secrétaire d'État. Ou dans logique. Parce que le président de la Chambre des députés, le président du Sénat de la République. On va faire logique. Ah, là au moins c'est chef exécutif. Là que tu as fait ça. M'a fait logique, on fait logique, mais m'a fait travail. Ah non. Et c'est exact. On va faire la réponse à la norme pratique administrative et tout. Directeur, moi j'ai un monde, moi connais qui gagne ZAM la Kaili, je vais demander le ZAM ça, qui ZAM lié côté Wenny. Moment, vérité. Ou t'es capable de passer par premier ministre, pas quand t'es pêché de passer par premier ministre. Excuse-moi. Oui. L'homme, justement, l'homme fait ça. Quand il y a, moi viens impliquer président, moi viens impliquer premier ministre, dans un problème que nous connaissons pas de capacité pour résoudre. Maintenant, je dis président, mais je ne suis pas capable d'entrer dans le bail comme ça. Mais dédouane le président. Je dis, président, si député, sénateur fâché, il y a un bail simple qui a fait le cap de le révoquer, mais pour révoquer. Moi-même, moi connais qui bon qui a un problème, mais exactement côté problème qui a sorti. Moment, vérité. Est-ce que vous avez un zam? Si vous avez un zam, côté vous avez un zam. Qui numéro vous avez? Qui moun qui avec zam? L'on député bon zam nan machine, à souhait l'al dormi, qui bon zam nan yé? Qui bon zam nan dormi?
Maintenant, nèg qui gen zam nan machine député, qui qualification gen pour gon zam nan mel en dans machine ou représentant l'État? Moment, vérité. Parce que moun kap assurer sécurité rapprochée, son spécialisation, les épaules nèg qui le vont matin et puis dit pour assurer sécurité en VIP. Et pas en Haïti. Donc, initiative ça, l'été bon résultat, est-ce que monsieur a bon information? Yo pas bon information, yo. Jusqu'à ce que yon qui avec une équipe bandit, te gen un député. Il était avec une équipe bandit, te pral gen un cyclone ou baye comme ça. Et puis il tape la rentrée dans coup nan, même après dans coup nan tout. Et puis il dit ministre bu mes amis dans machine là, pendant la toile pour non. Moment, on dit al utiliser au côté nous connons pas le utiliser après il m'a pas retour. Mais est-ce que le fait que vous pas utiliser au-delà de cela trois camions qui fait des ordres d'élection c'est chef. OK, mais question besoin pour cela et colonel Gébu, le fait que vous utilisez une stratégie qui vient froisser les subtilités, sont t'es passé par les règles normales, est-ce que vous pas penser que vous pas jamais plus efficace? Jamais. Et vous pas faire confiance, vous pas faire confiance. Non, jamais. Vous faire confiance à supérieur hiérarchique. Ah non, pas où vous avez passé. Bien sûr, son grand monde. L'homme paraît, nous avons chité avec le président Bloc, le président Sotan normalement, il était son sénateur, il était président Sénat, il était président de la République. Donc nous avons mis dans une situation, nous avons mis en porte à faux par anticipation. Nous avons posé ça là carrément. Okay. Donc nous avons embarrassé tout le monde. Nous dit là, il y a un problème. Et là, nous dit il y a un problème. Nous dit si je menti, bon, je menti, là, est-ce que nous avons est-ce que Zamsao, c'est l'État qui veut ou pas nous? Si oui, nous avons un numéro à enregistrer, il y a un papier, il y a un tout bas. Et nous avons observé avec eux, nous avons est-ce que ça, c'est le réflexe du militaire? Pas le réflexe du militaire. Ou le politicien? Du renseignement. Du renseignement. Mais du renseignement. Ça que nous comprenons. Parce que c'est un coup de force lié, sauf faire. Non. Ça que nous avons dû faire, même si on doit dire comme ça que, et que l'IPA fait normalement, j'ai le droit de faire, mais de toute façon, nous avons un impact sur le comportement. Mais c'est ça qu'on va faire. Il y a un impact sur le comportement. Même si on ne peut pas remettre ça, et que vous êtes JVC, alcool président, parler, mais il y a un impact. Par exemple. Et que vous connaissez que, gros secrétaire de ZKP. Il n'y a pas avancé. Nous connaissons le bagage. Nous connaissons le bagage. Nous écoutez, ma belle suite, on va aller. L'élection, ça qu'on va faire là. Moi-même, je ne peux pas qu'on arrête vagabond, je ne peux pas qu'on arrête le monde qui a couru dans la rue. Je vais arrêter exactement le chef qui veut vers les autres. Parce que je pense que c'est son abus. Pour les chita la cali, les climatiseurs, les mettre des âmes dans mon nez. Elle fait nègre là, elle expose la ville, et puis les mêmes pour me couper, c'est des nègres qui nous amènent dans mon nez. On va l'arrêter, les nègres qui nous donc c'est vous. Mais problème, là, gros problème, et qu'on a le début. Parce que qui joue pour le connaître qui est-ce qui veut un nègre à Fonzac. Et je vais l'expliquer. Lorsque les nègres ont arrêté, par exemple, les nègres de la tombe de Anel Joseph, ou que vous n'avez pas qu'à juger Anel là, on a dit un bagaille là, ça. L'IPA fait partie du de domaine d'expertise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs hommes de droit là qui ont bonne idée. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que nous avons arrêté bandits parce que nous disons que c'est bandit. Oui. Moment. Maintenant, dans le cas d'Arnel et plusieurs autres bandits, nous avons arrêté Arnel, ils ont arrêté Arnel. Faut vous préciser Arnel Joseph. Arnel Joseph. Oui. Arnel Joseph. L'homme parle de bandits, ils ont connu. Depuis, il me dit bandit, ils connaissent Arnel Joseph. Ils ont arrêté Arnel Joseph. Non, l'hôpital qui vient prendre soin. Maintenant, en aile de la prison, est-ce que il y a des gens qui viennent porter des plaintes contre en aile? Pour qui ça que nous arrêtons en aile? En tant que bandit, qui ça en aile fait? Qui preuve nous connaît, nous gagnons, que en aile commet tel acte de banditisme que devant un tribunal et que nous sommes capables de convaincre un juge que ça a été fait? Mais c'est sur le champ de bataille où arrêtez-le. Dans l'hôpital là? Non. L'hôpital là, c'est le champ de bataille. Non, alors, oui, c'est vrai, Ça, monsieur dit. Mais c'est sur les champs de bataille que le théier qui fait le tal l'hôpital. C'est son dîme. Docteur Cadet, Anel, avant d'arrêter là, il était gagné, sa tête était mise à prix, il était un recherché par la police. Bon, ça n'a pas une grande chose. Mais Anel a habitué à faire des aveux. Mais Babicou était recherché maintenant, Babicou. Attends une minute, c'est pour rentrer dans ce objet. Tu as une raison qui fait la police te mettre en avis de recherche d'elle. Et te promettre 2 millions à monde qui t'a permis d'arrêter. Moment, vérité en une situation publique. Après
situation de mise à prix de la tête de Anel Joseph, M. Vin font parade là dans Port-au-Prince à 30 mètres de la clôture du Palais National. Les M. étaient promis des filets qui étaient faites, que des nègres étaient défilés avec ça. Quelques jours après, le président de la République, dit, non, prise de parole publique, rien, mais Anel était là, M. opposition vient prendre, vient faire le défilé, et bien, le Port-au-Prince, le président de la République, on a grimé tes têtes là pour lui, qui passait à 30 mètres de clôture par les nationales, là, pendant qu'on est dans. Maintenant, il vient arrêter, monsieur. Mais Sordia, celle d'Istéanel, côté, c'est jamais jugé, peut-être mourir. Parce que même pas qui ça nous gagne en nous, pour aller camper devant le tribunal, pour condamner Anel. Non, c'est pas que nous ne pouvons pas condamner, c'est pas que nous ne pouvons pas condamner en pile monde. C'est parce que Anel qui doit condamner en pile monde. Et Anel dit ça tout, lui dit ça. Et toi, Kanek qui dit, c'est bandit qui a fait barrio. Mais colonel, vous allez se comprendre. Pourquoi tu précises, M. Côté, rapidement? Nous, tous là, c'est avocat, c'est moi qui pas avocat. Même si on criminologue, nous avons une question. Nous dit que. Anel capable d'appliquer en pile monde. En droit, Anel sont bandits. Ok, un bandit. Comment tout le monde connaît c'est Anel. Est-ce qu'on pense que les propos d'Anel, après qu'on finit arrêter, capable doter de assez de crédibilité qui pour cause ça Anel dit, le condamne mon Anel. Il y a un risque énorme. Ça fait généralement l'exemple au tribunal. Parce que si vous cherchez bien, justement, dans le métier, vous avez des bagailles, vous avez des bagailles. Vous avez des bagailles, vous perquisition en base, monsieur. Et puis vous avez 11 âmes. Et puis vous avez remonté les filets âmes. Vous avez des âmes qui étaient dans le stock palais national. Moment, vérité. Mais le ça, qui est-ce qui est impliqué? Ah non, c'est les... Ils vont obliger par les nationales. C'est, par les nationales, sont côté privé, des centaines de monde fréquentés. Attends une minute. Là, on me demande une négo. Pour ouvrir le numéro de série, chaque ZAM, vous ouvrez le bon. Non, c'est pour question, Anoudine. Parce que chaque ZAM a une histoire. Ils ont histoire. ZAM a une histoire. ZAM a un acte de naissance et oui, enregistre mon côté. De vous capable de remonter filiable ou toute route que ZAM a fait. Maintenant, nous en avons un bagage qui est beaucoup plus. En Haïti, comme on dit plusieurs fois, nous avons un vrai faux problème de sécurité. Moment, vérité. Nous avons un vrai problème de sécurité parce que les acteurs ont fait, nous avons souffert de eux. Ok? Nous n'avons pas dans eux, citoyens qui ont payé les conséquences. Il faut, parce que il n'y a pas un comportement lié à un. Acception idéologique. C'est du monde qui, même le bon Dieu a parlé de ça, qui aurait dû être dans la misère. C'est du monde que bio entre en forme de prostitution. C'est du monde qui vit de côté parfait pour dire. Par exemple, le matin du président Jovenel Moïse, ces derniers temps, m'a demandé si M. Bagan famille, parce que M. Zonne qui est entré dans le cadre de c'est pas en psychologie, c'est en psychiatrie. Il est dans le délit obsessionnel. Moment. Non, c'est vrai, oui. Il est entré dans la phase du délit obsessionnel. C'est fort, colonel. C'est quand même le président de la République. C'est vrai, c'est je te dis que son cas relève de la psychiatrie. Il est dans le délit obsessionnel. Mais pour le moins, nous avons une cohérence dans la pensée, dans la palais. C'est ce qu'on appelle le délit obsessionnel. Il y a un bagaille que le monde n'y compte. Il y a un bagaille qui pas l'écrivain. Et il y a une série de multitudes de comportements qui sont cohérents par rapport à l'objectif que le gagne. Par exemple. Alors, sauf qu'on n'a pas qui garantit le gagne tout. Ça qui arrive, il y a une garantie de. L'international, il y a une garantie de implosion qui gagne au niveau de l'opposition politique. Implosion au niveau de l'opposition politique. Garantie au niveau de l'international. Coronavirus qui fait que
gon certaine démobilisation, tout ça qu'a poussé le fait des excès. OK, on pile garantie. Mais pas qu'à compter sur la Turquie, non. C'est là actuellement on conflit entre la Turquie et la Grèce, donc l'électricité que nous te prévoit l'op 40. Attends, mais on pile garantie. Même l'on garantie, même on pile garantie pour aller où, pour obtenir quoi, pour réaliser quoi. Je comprends si j'ai besoin de voter pour nous rapidement là, sous CSPN, on un second pour me faire. Parce que dans la loi 29 novembre 1994, là, ce qu'on est mon nom, attendez nous là, dans l'article 14 là, il y a une composition CSPN. Là. Donc, ma dit nous là, parce que nous t'es. Il dit que le premier ministre, chef du gouvernement, président, le ministre de la justice, premier vice-président, le ministre de l'Intérieur, deuxième vice-président, le commandant en chef des forces de la police, donc le DG de la police nationale, directeur général de la police nationale, donc secrétaire exécutif, et l'inspecteur général en chef de la police nationale, secrétaire exécutif adjoint. Donc, l'ENO dit qu'effectivement, regardez, les deux éléments qui, ça veut dire qui en dans système police là, ils ont tous les deux joué le rôle de secrétaire exécutif et secrétaire adjoint, et tout reste mounio, donc le premier ministre, le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, c'est le même qui occupe la c'est justement l'expression de BIT. Alors le ministre de l'intérieur ne fait pas partie du CSPN. Non, le ministre de l'Intérieur, deuxième vice-président. Le ministre de la Justice. Deuxième vice-président. Deuxième vice-président, c'est le ministre de l'Intérieur. Ok, très bien. C'est justement l'expression dont pays tête en bas. Ma faute, président. Vas-y. Pour ça, moi-même, net. Vous montez, structure ça, même j'ai remonté tout conseil d'administration des entreprises autonomes de l'État. Le directeur général est le secrétaire du conseil d'administration. Donc, ils ne pas prendre tant qu'ils ont une méga structure. Exactement, justement. Stratégique. Alors, structure stratégique et opérationnelle. Donc, ils ont fait le même genre à tout conseil d'administration. Oui. Dans l'État. Oui. Quel était APN, quel était OAVCT, quel était TNH. Donc, c'est le même genre que vous faites. Alors, moi-même, bien, mon dit, moi, il y a des tas de. On ne peut pas mettre de côté l'exception culturelle d'un peuple. Parfois, le diable est dans les détails. Pourquoi on est quatre peuples sabiens, l'Éodil, la police, vous l'avez les nègres, la directeur général, il va avoir l'autorité d'abord. Donc ça veut dire c'est que le commandant en chef de force de police. Donc structure ça pas qu'à bas résultat. Avec un contexte de gestion de résultat. Non mais non même constitution. Et ça nous dit. Ou pas le directeur général de la police non. Non. Mais constitution pas le directeur général. Le commandant en chef de la police. Le commandant en chef de la police nationale. La force publique se compose de la police et voilà. Ou le commandant en chef des forces armées, ou le commandant en chef de la police nationale. Alors c'est le ma parole irrationalité non. Par exemple, quand Pile Baïkot qui fait n'a pas l'empile, ces gens ont affaire de arrêter, décret, etc. Ou bien un gouvernement qui dit de vous connaître, et tout le monde d'accord, que la constitution ça, l'oblige ou well. Très bien. Si moi, obligé ou ouais, le concept global du fonctionnement de l'État haïtien que la Constitution a défini. Comment me fait absorti de arrêter qui peut sortir dans 2 ans? Si nous faisons sortir arrêter ça, et puis la Constitution vient prendre des mesures qui contraire à son pouvoir. On parle de décret contre pénal là, c'est de ça qu'on parle. Oui. Je parle effectif dans 24 mois. Dans 24 mois. Des dispositions transitoires. Voilà. Or, justement, qui est-ce qui est la source de toutes les lois? C'est la Constitution. Exactement. Donc, si nous avons mal travaillé sur la Constitution, et puis qu'on y a une prale partie à partir de l'URXA pour nous prendre tout et bagaille et légiférer. C'est une approche logique. Tu vois? Ou même où sortir, arrêter un décret, le contraire à des prévisions constitutionnelles. Oui. Est-ce que les Sawab disent que nous ne sommes pas fous? Ce sont des criminels réfléchis. On parle de qui est-ce? Moi qui fait ça ou faire? Qui se fait qui ça? Le par exemple, vous regardez ou dit où est le décret ou fait sortir. Et quoi ça pidu? C'est que c'est le droit qui oblige à faire, qui est indispensable. Où est le code pénal?
c'est un travail indispensable. Qui était doué fait déjà, oui. Moment, vérité. Donc voilà, on va dire un bagage qui est indispensable, qui fait pour le fait, et puis qu'on va prendre tous nos jouets. Là, il y a l'écrit, mon mari là, et que le président de la République là, il y a le pouvoir pour lui amnistier au monde avant même son jugement. Pendant le jugement et après le rendu de justice. Est-ce que vous imaginez que le président a amnistionné pour un acte qui commet qui contre la loi sans que la loi pour condamner, sans que la justice pour condamner. Donc il faut quand même reconnaître que monsieur pose ces actes-là et que le coupable. Justement. Pour la justice, le président capable de faire une amnistie pour une peine. Les cap commis une peine pour une peine qui prononcée en matière politique. En plus, en matière politique, quand il y a le précisé dans le bail, si nous avons un crime financier, nous volons l'argent de l'État, nous crasons la boîte de caisse de l'État, la ravelle, le président a fait l'amnistie. Il a fait l'amnistie avant même de le juger. Il a fait l'amnistie pendant. Je ne comprends pas. Mais au monde qui peut juger, pas besoin d'amnistie. Et bien, c'est ça, Babdou. Ils sont suspects, sans qualité de suspect. Donc, cela témoigne de quoi? Et c'est là que je vais retourner sur le cas président. Les gens conscients vont pile bailler des affaires ou pas faire. Ils sont conscients. Tout le monde qui a fait l'élection, ils connaissent. Même si ils ont essayé de faire l'élection, ça ne peut pas marcher. Maintenant, le président Gambelou, où est pour voir ça? Quelque soit l'élection, pas que le monde qui a le gouvernement, jamais. C'est l'expression d'une peur. Moment, vérité. Ouais. C'est l'expression, et là, je suis dans le délire obsessionnel, là, oui. Il a tellement de conscience du bagage qu'il fait que la loi est capable de poser une question. Il connaît les conséquences du capable pour faire face. Combien il vient prendre l'État? Pouvoir, le pouvoir d'État comme un bouclier. C'est lui-même pour le gagner, pour le protéger tête lui. Donc là, fait tout ça qu'on est pour ne pas venir pouvoir ça pour lui-même pour le capoter. Est-ce que nos contextes pareils, parce que c'est vrai qu'on parle de délire obsessionnel du président, moi-même, quelques temps de ça, m'était parlé de nécessité que l'on conseille de sage pour encadrer le président jusqu'à la fin de son mandat. Non, pas encadrable. Non, mais non, la société peut décider. Non, non, la société. Le président... Parce que nous, à la dérive. Le président n'est pas encadrable. Ok, ben, en tout cas, je pense que la population, je dis, il faut que les réfléchissent pas. Personne qui ne soit pas encadrable. Il faut que nous pensions à ça, je dis. Non, non, non. Il faut pas. L'arrivée au côté. Attendez, ça. Une minute. L'arrivée au côté. Pour encadrer, il faut même d'abord. Justement. On est que, justement. Par exemple, Mbaldo Magaï. Faut sentir qu'on a des moins. Moins que deux, trois idées en matière stratégique sur les questions de sécurité. Mais premier bagage pour nous connaître, son domaine qui est tellement vaste, qui est tellement complexe, qui a une multiplicité de savoirs qui sont pour le bien là. Exactement. C'est le premier bagage pour nous connaître. Ah non, là, c'est mes spécificités, la formule du docteur Kadé. Ah là, pour le fonctionnement et expérience par ailleurs des sols pendant qu'on est en train de faire ça. Il y a un bagage qui connaît, il y a un bagage qui connaît que nous ne connaissons pas. Exactement. C'est le premier bagage pour connaître. Pour pas connaître en tant qu'être humain, il faut qu'on ait une limitation. Faut qu'on limitation. Et c'est ça qu'il faut structurer l'État après avoir un cabinet. Oui. Pour connaître, oui. 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 C'est sous prémisse ça même. Voilà, le cabinet. C'est sous complémentarité. Justement. Pour le cabriver de structure stratégique, stratégique de pensée. Technostructure. Parce que ou pas qu'à faire l'État fonctionner sans pas penser d'abord. Justement. Si par exemple, chaque n'a qu'à nous arriver là. Devant l'ICP de Jonville, nous passer toute existence. Maintenant, nous avons fait toute étude. Mais t'es rien de nous devant l'ICP, à Cap Van Fresco. Mais t'es mon seul de Fresco là, mais qui connaît 5 bail boule frisco avec chaque couleur différente. Les mounes la collé glace pour le bail pour le bal dessin ballon étoile non non. Son travail là. Donc moi respecter savoir faire monsieur. OK. Monsieur gagne près 5 6 7 8 9 10 ans devant l'ICA. Mais je mal prenne ça qui un grand artiste dans Van Fresco mettre le directeur l'ICA me déjà connait résultat tout de quoi. Exactement. C'est ça qui est Haïti vérité. Ou voir nos situations ou nos pays. Il y a nos monnaies ministre de la justice, et puis il y a un subalterne qui écrit une lettre qui balle toute abjé généalogique, toutes les zones qui étaient faites en une structure que le vignoble a gouverné.
ou non l'État, ou non l'État, ou un commissaire du gouvernement qui démissionnait, l'État signe un papier, mais signature un bon papier, non, moi, on est pour remplacer. 24 ans pour qu'on passe le guide de la goupille, les raisons pas faites pour dénommer l'exemple. Moment, vérité. Donc, ouais, c'est mais monsieur, oh. À la tête de la justice du pays. Donc, ou bien, ou président de la République, lui qui a intention de faire élection, lui qui était madame, ni à l'afficher publiquement, nous a fait des malotes qui pourraient préparer 4 électorales. Ça peut dire, madame, osez dire, c'est pas vrai. Bureau, le dit, c'est menti, le pat là. Et puis, 3 jours, après, bah, tout photo, quand elle t'a parlé avec technicien, et puis, qu'on y a maintenant tête, ou, ou, pral monter liste électorale, avec structure, ça, gué, moun, qui pral rentrer là-dedans, avant. Ou traverser les frontières de la folie. Colonel Rébu, une question bien posée, parce que son ancien ministre, ancien secrétaire d'État. Le ou nommé, comme ministre, Yannick Renaud, et puis, au ministre, mon cher, t'as l'air nous t'as pas l'ombre. Moi, avec nous, les feuilles du monde. Vérité. Nous prenons le fait, moi, et ça, c'est pour l'avenir d'Haïti. Bon, vérité. Gros, bel malheur que t'as qu'à briver un citoyen, c'est à rentrer dans structure l'État, ça. Premièrement, nous gap nous mou la li pas tellement connait qui ça l'état est qui ça moment vérité des même une pigoise de TFM avec ou pas ou pas paraître comme de bail là ou pas atterri ou pas atterri c'est grand coup ou pas faire vérité publicité ou pas ou pas mettre comme mouvement ou pas faire comme si ou faire une série de gros bagaille mon dieu je ne suis pas un acteur. Moment, vérité. Pointe. Je parle là pour un pile monde qui ne peut jamais rentrer dans l'État. Et je vais dire que c'est une plus belle expérience que je fais. C'est le mauvais ministre. Moi, je vous l'ignorance que je gagne, que je t'ai gagné, sous bagaille qui est l'État que je parle de lui tous les jours. Mais vous rentrez dans deux idéologies politiques différentes, oui. Prévert et Martelly. Une minute. Le président Martelly. Et le président Matéli était dit, là. Lui dit, mon passé, m'a tendu longtemps. M'a livré longtemps. Ou a parlé de mon Haïti qui n'a tête ou. Mais Haïti qui n'a tête ou pas existé vraiment. M'a voulu le faire sur le rivière, ouais. Mon cher, moi, vraiment. Et m'a pris un témoignage là, c'est pour un peu le monde de bonne foi, de bonne volonté. Qui a brusquement un jour bien pris pour responsabilité dans le bagage ça que l'État ça je dis. Préparez-vous, mettez en tête tout le bagage qu'on est qui bon, qui ça, qu'on fait pour faire. Si vous pour rentrer techniquement ou en Allemagne, ou en Yougoslavie, ou aux États-Unis, ou en France, ou après vous faire pap, 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 et puis dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, faites pour guetter le résultat. Qu'on est qu'on prend le perdu plus de temps. Pour casser du bagaille qui est anormal, qui est là, c'est sans doute, oui. Avant de commencer, mettez le bagaille pour 10 pour ta faire. Justement, ça c'est correct. Et aucun ne doit pas jamais arriver. Ouais. Moment. Comment tu as comprendre, nous sommes ministres, nous sommes ministres, nous ne sommes pas comme nous. Avec un staff cabinet qui pas des employés. Donc maintenant, c'est tout personnel là que nous allons mouvre. Que je vais mettre en action mon concept stratégique pour me faire un résultat. Il y a des gens qui disent que vous avez fait, c'est petit tout que vous avez mené à vous. Petit, moi, je vais mener à vous. Petit, moi, mon cabinet. Oui, mener à vous. Oui. 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 Je dois choisir. Et ça, c'est bon, en pile difficulté. Non, je ne sais pas qu'il y a une difficulté. Mais il y a des gens qui parlé de Bayou. Mais ça, ce n'est pas du népotisme. Non. Ça fait ça. Par exemple, l'homme qui est petit, moi, dans le cabinet, les secrétaires cabinet. Il a quand même ensemble avec moi. Les minutes du matin, m'a traité des problèmes du ministère. Alors, rien à voir. Oui, je n'ai pas promis un petit point. Mène le ministère des Sports. Et puis, c'est un monde qui fait. Comment ça va aller qui fait. Bah, on est qui l'autre métier pas quoi. Exactement. Si vous avez compétence. Son spécialiste qui maîtrise en éducation physique à Toulouse. Non. C'est au monde qui vous maîtrise en éducation physique à Toulouse et tout dossier technique que je traité avec Cuba pour me mettre en structure
scientifique dans le ministère, c'est lui gérer tout dossier ça. Et là, j'ai mon dossier 24 heures sur 24. Mais on a une question de sociologie, de pratique. Ça, c'est. Là, oui, mais faut. Mais est-ce que ça fait d'ailleurs? Parce que ça fait d'ailleurs. Mais ça, c'est colonel Rebu, sa fille, si équipé, si ministère, etc. Bonne promotion. Les lois de la sociologie, donc on est. En bonne structure, administration publique en général. Il y a les chargés de mission, il y a les consultants, il y a les membres de cabinet, il y a le cabinet technique et il y a le cabinet privé. Bon, mon cas, bon, moi j'ai concours pour faire, pour exactement. Pour donner de l'eau. Le cabinet privé, le secrétaire privé. Supposé son nom qui. Oui, Jacques Tueur, vous comprenez qui est-ce qui était à mon époque. C'est sa fille, oui. Claude. Il était responsable. Si on a raison que Fenba, j'aime réussir tout. Oui, pas question de fille et petite là, non. Toute question ça, secrétaire privé, des privés, population finalement, pas besoin de rien. Non. Si que tout pareil ça, sous deux trésors publics, population pas besoin de rien. C'est même gens. Attends, ta conclusion. Quand tu prends son budget, j'ai trois députés, nous ne faisons pas sous Delma ou l'autre. Nous levons pieds, nous frappons sur ville pour l'autre, on pas qu'un store pour l'autre, quoi des bouquets, etc. Alors que si zones ça sont plavées. Parce que nous étions dans un modèle peut-être occidental qui n'a pas marché. Tu es dans un raisonnement rapide et facile là. Malou. Premièrement, nous avons une responsabilité qui engage. Ok? Dans mon cabinet, c'est premièrement deux monde que je connais. À la fois sous compétence, sous capacité et sous fiabilité, ça vous capable de dire. Ah bon, c'est mon seul critique ou t'es prêt sur ça. Mais vous, mon critique, excuse-moi. Vous êtes entré petit tout dans la raison ça. Non, non, vous êtes dit dans le moment. Attendez une minute. Que vous êtes entré petit tout dans ça. Attendez une peut-être par rapport à nuisance que ça a été causé à petit là. Moi-même, je vais vous approcher ça. Mais pourquoi j'aime faire une expérience dans l'État qui t'a cap paraître un bagage négatif, bon en vim, tout court, qui t'a cap paraître au dépôt un bagage négatif, pour ce bon bagage positif lié. Ndabdoula, samedi dernier, moment, après le coup d'état d'avril, nous vivons et Miami, nous faisons monter le work, nous voulons me voir avec strip. Docteur Francis, on a l'air sur Venis. Qui est en prison? On vient dans bon mais c'est la c'est pas tout ça, quand on a fini. Sous Haïti, de bagages que je n'ai jamais imaginé. Qui pourrait faire me comprendre une pile bagaille qui passe en Haïti qui est racine qui est originaire. Par exemple, conseil de criminel, docteur Kade Kabdouza, qui dépasse tout niveau, on ne peut pas dire criminel, c'est des malades, que y a pris, y a pompé vous et bah ou là. Pas aucune structure technique en Haïti qui est capable de maîtriser un crime comme ça. Non, nous ne sommes pas intéressés dans ce genre de bagaille. Ça. Déjà, pour eux, ça n'a pas fait partie de dans le système pour sécuriser le pays. Hein. Tu vois? Nous ne pas quoi nous bagaille. Il y a des bagailles. Moi-même, je ne pas de connaître. Je ne peux pas imaginer que les États-Unis, pays lié, tu as capable de criminels qui n'ont pas aucune capacité pour le contrôle sur encore. Et pour la prendre aussi à moi pour la voir dans le pays qu'on croit Haïti. Non seulement. Non, c'est ça, c'est vrai. À 30 minutes. Vous voyez au sein dossier. C'est que si ah ma, oui, c'est ça qui est grave. Si ma recevoir au monde, dans coopération c'est... avec au monde, au moins sur le plan technique, quoi, attention, n'est-ce pas mes profils. Par exemple, on est rencontré avec Sid, qui a 27 ans, depuis qu'il a 12 ans, il a fait prison. Pour que ça, chaque fois, il avec mon fils, lâché, il a un petit morceau, il mettait dans sa poubelle. Au matin, je me levais, je me disais, monsieur, je dis, non, il est déporté, monsieur. Qui bon? Je me disais, qui bon vite? Haïti. Je me disais, à l'autre côté, parce que ça, Haïtien dit. Voilà, où nègre, son psychopathe, monsieur, et puis les nègres arrivent ici, il n'y a pas aucune liaison familiale, il n'y a pas aucun lien familial avec ici, il n'y a pas aucun côté pour l'arrêter, c'est nos bidons vides, nègres, la cherche son côté pour la chercher survie. Mais qui typologie, mon. Colonel Rebu, je vais me poser une question là-dessus. En tant qu'homme d'État et puis en plus ancien militaire, nous songeons te faire référence au fait que monsieur était Vin Koto l'autre bois. Tu vois, monsieur Vin l'autre bois? Non, c'est ton lot. Ah, ouais, c'est ton lot? Oui. Mais c'est ton lot, mais le même profil. Même profil. Alors la question, c'est, nous demandons qui suit vous, tu es juste
À tout côté. Il te font chèque à monsieur et puis te référer là au monde. Non, il te réalise monsieur. Il te référer au monde dans l'état. Il te référer à un monde qui a une double capacité. Aider et neutraliser. Ah, ok, bon, c'est la deuxième partie qui est sur. Bah, plus loin. Oui, non, c'est neutraliser à des mesures. Mais je ne veux pas monopoliser le débat. Il y a une question électorale à la fin d'entrer là-dedans. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde qui a parlé fort en Haïti de bagailles que vous ne connaissez pas vraiment. Et le rivé, il y a une contre-performance, par exemple. Je me suis dit dans le ministère de l'Esprit, une publicité qui était faite. Ah, monsieur Rubisonnet, qui a un bon journaliste même. Le premier jour, les manifestations faites en bas contre nous, comme ça. Je dis, ah ouais, je n'ai tout à parler dans la radio, et puis regardez dans le domaine, nous sommes comprenés, nous sommes bagages, et puis le rivé, il n'y a pas aucun résultat, il faut que ce suspend parler dans le pays. Ok? Même journaliste, je suis venu deux semaines après. Je me dis, est-ce qu'on est? Je me dis, je vais faire mon école. Effectivement, je ne vais pas faire mal, il dit, ils vont voter pour me renouveler, bah, elle comme il n'y a pas de preuve dans le budget, je ne vais pas renouveler. Donc, on dit, Zalte, son équipe côté de mon ramasse, on prend petit monde. Que dit, ils font école de talent sportif. Ok? L'homme est comme ministre pour le bain, il dit, ok, nous prenons des petits monde sur tout le territoire qui est talent. Nous mettons là, nous baillons manger, nous faisons l'école pour eux, nous baillons des instructeurs sportifs qui font exceller. Dans quel championnat ils ont joué? Dans quelle fédération ont affecté? Dans aucune. Je dis, mais si je prends un qui a un talent, ma balle assistance technique pour qu'elle vienne meilleur. Faut me bon côté, lui, dans la compétition, pour moi, si travaille ça, bah, résultat, ben, m'avait volé, Emmanuel. Bon, ne pas affecter aucune. Je dis, mais c'est pas logique. Puisque le travail que nous faisons ici, qui bonne d'aller valider le travail, ça. Aucun côté. Bon, qui s'abaille la terre, son structure n'est qui, une pédophilie, oui. Qui besoin fait petit monde, 6-7 ans, absous ses coquilles, oui. Pour venir chercher tous les après-midi à prendre petit monde, mais aller, côté monde, à violer petit monde, côté monde, tomber sous des tas de petit monde, etc. Lorsque nous venons côté, il y a des filles, ou des petits monde, qui est instructeur ou qui est moniteur, violer jusqu'à ce que vous dans cette, jusqu'à ce que vous venez dans le cas, la justice. Lorsque vous avez 3 cas qui la justice, c'est qu'on a 180 cas qui ont. Oui, justement. Oui. Le, me paraît, et toutes les frères, il faut bâtir les gens manger. Qui est-ce qui a bâtir manger? Son nom qui a un contrat, 2 500 000 bouches à moi pour bâtir manger. Le malgré manger, je dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Le fermé, 2 500 000 bouches par mois, moi, fais ça que tu as fait là pour tout le monde qui a travaillé avec 264 000 bouches par mois. Moment, vérité. Donc, nèg qui t'a touché 2 500 000 gouttes par mois. Il pas carré, mais il fait écrit sur tout le monde à barre et volet. Moment. Donc, le cognon mouillé était web, souligné le marqué à barre et volet. Le vrai voleur, on ne le connaît pas. Et puis après ça, même mon qui t'a écrit, vin voyant mon côté de mon dame, quand vous m'avez un petit coup pour effacer moi. Je dis, allemand de même monde qui débat nos cobles pour continuer à écrire encore. Nous ne pouvons pas finir. Ça nous écrit pas assez. Mais colonel, n'a qu'à ça, mon suivi judiciaire qui le fait, puisqu'on a des preuves. On a des preuves tangibles que monsieur. Que son activité criminelle qu'a mené. C'est ça que fait Negovine Sévi contre. Qui soit que tu es fait? Ce n'est pas Negovine Sévi. Oui. Donc, c'est ça, nous, l'homme face à tableau, ça. Sam Abdoula, m'pas comme ministre, m'a marché dans la radio, comme ministre, m'a gagné pour me plaindre. Comme ministre, m'a gagné pour me prendre décision. Qu'est-ce que tu as fait arrêter? Je te parle. Mais Annaline. Comme ministre, m'a gagné pour me plaindre. Comme ministre, m'a gagné pour me prendre décision. Premier bagage que je fais comme ministre, je remets au président de la République un rapport sur la situation. Voilà les problèmes qu'il y a. Et voilà ce qu'il faut faire. On va voir nos matins, je suis dans un bureau. Et puis, moi, le blanc t'a passé sous la croix. Moi, il est tout de suite, il m'a dit qui m'a dit. Il dit des gens qui viennent sélectionner Timon. Il dit mais ce sont des étrangers. Il dit oui. Il dit
même pas comprendre. Il dit, moi, je suis habitué à venir. Il dit, d'accord, est-ce que nous avons le directeur administratif là? Il dit, s'il y a un accord entre le ministère des Sports et Saint-Job, entre l'État haïtien, qui permet que nous soyons venus là. Il dit, non, nous toujours venus. Il dit, là, vous venez, qui ça vous fait? Nous sélectionnez les gens qui ont un talent et puis nous voyageons avec eux. Oh, oh. Il dit, suivant quel accord entre l'État haïtien et Saint-Job? Moment. Il dit, appelez-moi les gens tout de suite. Nous, Léo. Monsieur Voyou, M. Chita, me dit, ok, qui ça a fait dans la croix? Je dis, vous êtes venu pour telle raison. Vous êtes venu telle année, vous êtes venu telle année. Vous êtes parti avec Timon. Je dis, donc, vous venez prendre Timon pour partir avec eux pour aller qui bon. Est-ce qu'il y a un accord qui signe entre l'État haïtien et nous-mêmes pour nous capables de venir chercher Timon? Là, nous prenons Timon. Dans qui pays nous allons avec eux? Moment, vérité. Est-ce que par un jour, il y a une possibilité pour aller? Ou bien est-ce que dans le contrat nous avons l'État haïtien, après un heure, nous avons tourné vers nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons non. Nous avons tout étourné, nous avons dit, nous avons passé, nous avons sorti dans la croix et pas jamais rentré là encore. Mais qui s'est fait? Non, c'est un réseau de pédophilie internationale, c'est un réseau bagaille, On écoute la justice dans toute question, sérieux, puisque ce n'est pas qui fait au niveau de l'État ou au niveau du ministère. Là, je remets un rapport au président de la République. Je dis, dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, mais qui met une logique pour nous appliquer. L'homme, ça me fait pas remettre le président dans le rapport, je vais remettre lui. Je vais le rapport, et puis je vais lire le rapport ensemble avec mon conseiller. Je vais le mettre deux mains dans la tête. Je vais arrêter, nous ne pouvons pas continuer à faire ça, nous-mêmes. Et oui, le premier ministre, moi, il faut que nous nous réunions entre le ministre, le premier ministre, et moi, pour qu'on prenne une décision sur ça. Ok? Bah, je vais me parler de ça encore. Moment. Donc, ça veut dire, si vous savez que t'es déjà parti, à nous pas qu'on continue, institution, ça qui a violé. Non, pas que si vous qui t'es parti. Non, avant. Blanc dit comme ça que chaque année, au vini, au prend si vous n'êtes parti avec vous. Pas qu'il n'y a aucun historien, qu'il n'y a pas qu'il aucun dossier dans le ministère. Donc, maintenant, l'on pas être comme ministre. Pour ou des bagailles ou pour le faire, premier bagage me faire, me faire distribuer un papier à tout mon personnel là pour remplir moi pour connaître le commettant là et qui qualification, qui diplôme ou gagne, dans qui poste y, qui degré de satisfaction ou de satisfaction ou gagne dans poste ou gagne. Et pour me prendre tout, parce que vous me pilonnez, vous me dites, ah, ok, c'est parce que je vais révoquer mon nom. Si vous utilisez mon personnel, il faut me connaître les compétences. Mais là, vous me dites là, c'est pas là, c'est là pour lui. Mais là, vous me dites telle compétence. Maintenant, vous voyez tout ça dans le cabinet, qui a mal découvert. Sur 1539, vous avez près de 700 qui ont touché dans le ministère, pas même contre le côté ministère. Moment, vérité. Et il y a une très grande majorité là-dedans. Qui est en Italie, qui est en France, qui a vu au Canada, qui bagaille, c'est laisse à qu'on a dit, ok, vous voyez, je demande dans la finance, pas payer, pas faire vieux mon bancaire, moi. Encore? Payer pas chèque. Payer pas chèque. Et puis tout le monde vient chercher chèque. Et puis qu'on a m'a prenez cap saut en Afrique, cap vient chercher chèque qui est bloqué. Maintenant, mon plus jeune qui a besoin d'accès à l'État pour être capable de faire expérience, qui n'est pas capable, et puis, deux mouns qui ont touché comme l'État en Afrique, en Allemagne, ou tout partout, ils ont 7-8 ans, ils n'ont pas nos pays, et puis c'est eux qui ont touché régulièrement. Colonel, comment vous avez dit? Mais écoutez, tout Tintin, et, attendez, bon, je vous ai plus grave. Mon directeur qui est en réunion avec tout un staff, une structure organisationnelle. Moment. Et un jour, on prend, et payroll, je me dis, mais comment fait toucher tel comme? Je dis, le directeur administratif là. Je dis, comment monsieur fait toujours le comme? Monsieur dit, non, ce n'est pas monsieur le directeur. Je dis, mais, je ne peux pas comprendre, monsieur touche comme un assistant directeur. Je dis, mais où est le directeur? Qui est-ce qui est le directeur? C'est un tel. Je dis, mais, je ne peux pas comprendre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est monsieur me connaît. Et puis, son jour, il y a un directeur, le chef est bloqué, il vient chercher un chef. Je dis, pardon. Mais je ne suis pas comptable, je ne suis pas administrateur, je ne suis pas comme ministre pour dire que je viens chercher le chèque. Moment. Et oui, et je dis que je bloque le chèque. Mais je dis non. Si vous avez un problème de chèque bloqué ou administrateur, mais il y a deux cellules qui travaillent sur la clarification qui ne viennent pas travailler, qui touchent ici. Là. Donc, vous avec eux, vous avez un processus à jouer dans ça. Même à nous, ministre, il faut faire bon chèque. Je dis, je ne dis pas d'où, je ne dis pas bon chèque.
Et c'est pas moi pour répondre à ça. Mettez deux commissions. Agitez avec commission, il y a bon exactement dans qui cadouille. Et si vous avez un chèque là, vous pas venir. Je dis, mais, pas normalement, nous avons. Quand vous avez travaillé, c'est le directeur, tel bagage. Je dis, d'accord. Quand vous travaillez, nous m'affecter avec un tel. Nous dit, ah ben mon cher. Vous ne pouvez pas affecter côté, vous dites, vous m'affectez pour avoir un petit chèque là. Vous passez. Je suppose que vous avez un chèque qui vaut 12 fois ça là. Je dis, monsieur, non. Je dis, oui, mais il faut faire mon chèque là. Je dis, vous n'avez pas passé. Vous avez touché le chèque ça, le m'a mis encore. Moment, vérité. Pas toucher chèque ça, le ministre, parce que moi même ma instruction pour vous tout tourner dans la finance. Colonel. Parce que mon cap touché site là, c'est mon cap travail ici. Très bien. Colonel, donc, l'école où tu es crasé, je ne peux pas craser l'école. Oui, mais ok, mais nous ça y est. Parce que son réseau de pédophiles, son réseau de nègres, qui côté où? Bagaille est tellement illégal, pas de aucun lien budgétaire qui. Affecté à fonctionnement. Son bel bail, une belle idée, lui. Une belle idée. Pas aucune ligne budgétaire. Au point que l'homme arrive, moi, je viens professeur faire manifestation parce que je dis 5 mois, je ne pas toucher. Parce que chaque fois que je viens pour payer professeur, son pirouette qu'elle fait pour qu'il ne prenne pas parce qu'il n'y a pas aucune ligne budgétaire. Donc, moi, je ne pas faire mal. Moi, je viens un bagage qui n'a pas dû exister. Moi, je ne pas continuer là-dedans. Premièrement, parce que vous avez deux raisons, parce que vous avez menti au l'État. Ça, il vous dit à faire, c'est pas lié à faire vraiment. Hein? Deuxièmement, son source de déviance, d'exploitation petite monde. Et troisièmement, comme il n'y a pas de prévoir dans le budget, je me dis, ok, pas un problème, je vais me lever sur 7-8 mois, je cherche comme je paye tout le problème de me payer nous. Et je ne peux pas continuer à dire, je vais un job, je vais pas un ligne budgétaire. Par contre, moi, je vais un ligne budgétaire. Pour institut que l'INGES, l'INGES est là depuis 3 ans pour ouvrir une école de formation de moniteurs en éducation physique, ou pas, j'en nouvelle. Je fais un corridor caille au point d'obliger que je suis bien des comptes. Pour me dire, moi-même, je vais ouvrir l'école ça. Mais parce que mon budget est pour lui, je vais l'école là-bas, j'en nouvelle. Mais je me dis, mais quand même, je vais dépenser 14 millions pour lui, viens faire un. Audit avant que nous-mêmes mal mettre la dame. Et comme vous faites, nouvelle école là. Dès que je finis nouvelle école là, je vais vous faire maintenant. L'école qui gagne les budgétaires et qui couvre, nous te prend 60 jeunes à horizon d'environ 6 dans chaque département qui est formé pour retourner à permettre que vous ayez un personnel technique dans chaque département. Parce que l'homme veut me dire que je vais faire un programme Haïti Réveil Santé. Faire tout sur toute place publique et dans le département ensuite vers les communes pour laisser à 5h du matin tout le monde marcher dans la rue. Bah, il y a des moniteurs qui sont formés pour faire sport. Et puis même dit faites venir les techniciens des provinces pour nous faire fond semaine, bah, orientation pour développer le programme. Non? C'est là où fin vini, nous avons réuni avec eux, dit oui, mais. Le directeur dit, ah, mais ministre, je ne peux pas tellement bien comprendre. Je dis comment? Alors, je fais venir le directeur yo, pour me parler du programme avant de faire mon lieu. Je dis, oui, je suis travaillé dans le département, mais je n'ai aucun technicien sport. Donc, je suis dans le département qui travaille pour le ministère des Sports, parce qu'il y a une qui compte à faire sport. Au point pour me faire une séance gymnastique, je n'ai pas monde, mais je paye 40 personnes dans le département. Il faut me dire le printemps. Et je me fais expérience avec Jacques Mel. Le cougnier, pour me faire cours, pour me faire aérobic là, c'est moins obligé à écrire le livre là. Je finis d'écrire le livre là, c'est moins avec mon cabinet qui monte Jacques Mel, qu'elle fait quoi. Le fin de faire quoi, c'est environ 12 ou 16 mouns qui débattent dans quoi. Donc 4 mouns qui travaillent dans le ministère. 12 mouns qui passent, c'est 12 mouns qui pas travaillent dans le ministère. 4 qui travaillent dans le ministère, pas passé. Quand il y a 12 personnes, pour me prendre 4 personnes qui pour faire travail là, je ne suis pas capable parce que je ne suis pas capable de révoquer 4 personnes qui là et je ne suis pas capable d'employer 4 personnes qui sont capables de faire travail. Moun qui a touché, pas capable de faire travail, pas capable de révoquer. Et moun qui a fait travail, je ne suis pas capable d'employer. Donc, mes volumes malin pour une qui joue pour rentrer dans l'état ça. Avec bonne foi, bonne volonté, en pile bonne disposition, nous c'est d'obstacles.
faut casser obstacle d'abord avant ici commencer faire soi faire à moins que qu'on sacrifie presque tout le monde ou rentrer un jour passé deux jours passés, trois mois passés, quatre mois passés, et vous vous rendez compte où vous avez sorti exactement cas, en tout cas, avec les couleurs du système. Donc moi dis ça c'est pour grand-père le monde qui par contre est vraiment de qui ça a parlé. En tout cas colonel moi ça me trouve qui est difficile pour moi c'est que moi rentrer dans le système en tant que ministre mais découvrir un réseau comme ça et que manik ou bien je ne dis pas fermer l'école là mais nek sa yo qu'on a eu enfoui dans le système là il continue faire des gars et puis pas une personne monde qui ca non ça comprendre côté remettre dossier à la suite ça a défermé oui mais nek sa yo combien de si monde que nek sa yo mais on va parler avec chef du nek José nek ba meilleur résultat dans le monde sportif en Haïti moment vérité qui résultat là bon ba côté Haïti place ba qui ça attends mais les circuits de pédophilie c'est pas nèg k'ap fè la k'ap mi de timoun la son intermédiaire li relié au plus haut niveau dans l'état li relié à des structures internationales très fonctionnelles c'est même gens là ouais par exemple y a venu fourrer un série de bagaille pour do timoun à 15 ans il y a une majorité sexuelle qui a fait toute bagaille. C'est des nègres, par exemple, aux États-Unis. C'est à 16 ans. C'est entre 16 ans et 18 ans, majorité sexuelle. Là. On est aux États-Unis. Ou alors, on bagaille avec un petit monde qui parcourt 18 ans. On charge avec problème. Donc, il faut faire en Haïti. La justice, oui. Donc, on a Haïti besoin de nous en terrain libre. Maintenant, pour qu'on fait ça, il y a passé sur deux mondes qui besoin de débats personnels. Il faut deux, trois bagages qui sont capables de plaire international. Donc, là, on n'a pas les débats, il faut bien comprendre, sinon, nous n'avons pas besoin de problème. Très bien. Très bien. Peggy, vérité. Nous obligés d'entrer dans la question, bon, je ne pas dire question électorale, mais ça crive dans CEPA. On rappelle nous qu'on a ce conseiller électoral qui l'a. C'est président. Ah oui. C'est président. Absolument. Absolument. Et Fonfonti Vuelta Canada a gagné un peu d'informations que Jocelyn Saint-Hilaire a gagné pour nous. Il y en a eux sont haïtiennes, bon, ils sont canadiennes d'origine haïtienne, que ils ont fait nommer Canada ministre des Relations internationales. Bon, donc on est en Haïti, ils auraient maintenant dit le bon haïtien qui a accédé à un poste. Et s'ils disent pas candidat en Haïti, c'est là où le ouais, c'est ça. Même Jean-Gabriel, qui t'a demandé pour Michael Jean, t'es qu'à venir candidat en Haïti. Oui, oui. Ouais. Mais Peggy m'a aimé Fonti rentré au Canada pour nous joindre Francica. Son bar de 5 minutes comme d'habitude. Ah, monsieur. C'est juste, et la participer dans le panel là, c'est par rapport à la visite que le président fait dans le conseil électoral provisoire. Là, que nous pensons qu'il t'a bien que nous. Conseil électoral provisoire. Non, pas conseil électoral, là, dans le cours supérieur des comptes, justement. Non, pardon, dans le cours supérieur des comptes, que nous pensons que l'état important que nous avons fait parler de ça. Parce que son visite qui paraît un peu ambigu, ça veut dire que ça qui sorti pour le vrai, c'est peut-être pas ça qui. Oui. Donc ça veut dire que l'état important, il est nous connaît. Mais que... Il voulait solliciter le bénéfice de l'urgence. Oui, bénéfice dans de l'urgence. Le cadre de contrat relatif à la question énergétique. Oui, mais justement. Pourquoi son bar est mais justement, c'est que tu es gagné, ils ont arrêté que tu es sorti déjà. Ils ont arrêté que tu es sorti en février par rapport au fait que même arrêté ça, ils ont été minimisé rôle ni Cour supérieur des comptes, ni CNMP, qui c'est Commission nationale de marché public là. Donc ça veut dire. Oui, de passation de marché. Donc, ça veut dire que si je dis à président décider pour aller dans le Cour supérieur des comptes, que l'expliquer, puisque en fait, dans la loi d'urgence, ça, n'a pas eu le droit de parler avec France. France, où là? Francica. Donc, n'a prend, monsieur, juste pendant quelques minutes pour nous éclaircir ça, Fonti parler sous visite président, puisque selon arrêter ça, c'est comme si deux institutions ça a négligé, puisque il y aura entré dans le cadre en loi d'urgence. Donc c'est comme si le président est capable de prendre des décisions qui ont un rapport avec l'électricité d'Haïti, même le que nous avons contexte de loi d'urgence. Ça veut dire que tout ça qui est pour ouais avec l'électricité, il est rentré dans une logique loi d'urgence. Donc pour non, mais sinon, tu as besoin de bénéfices de l'urgence dans le traitement dossier ou par la cour. Non, mais c'est ça m'a dit. C'est que là où vient rentrer sous une arrêté qui sorti, qui bon libre, habite pour qu'on fasse, pour qu'il soit besoin de passer dans le coup. En attendant, je viens de souper, mais pas. Oui, allô? Oui. Oui, oui, oui. Comment on a dit? Oui, France. Non, et France, où là? Oui, mais oui, là. Ok, très bien. Donc, c'est France Sika, monsieur son vérificateur. Et nous allons faire parler et sous
Nous pas font parler sous visite président dans cour supérieur des comptes mais aussi n'a font parler sous arrêté qui était sorti en février. Ouais qui est-ce? Oui oui, arrêté qui était sorti 12 février. 12 février, très bien, 2020. C'est ça. Alors mais avant oui, juste une seconde et docteur non ou une intervention d'avoir le fait. Non, n'a pas le son intervention en lui-même, l'opportunité de cette visite. Nous tellement long en bolio administratif, politique, etc. Nous avons bien comprendre l'aspect d'une requête parce que bon urgence. Mais le président de la République ne peut pas se déplacer pour alchita avec des magistrats. Ce ne sont pas des conseillers à la Cour des comptes, ce sont des juges, ce sont des magistrats. S'ils veulent son bénéfice bon, de l'urgence, les gens pour le saisir. Son tribunal. Mais sauf que le pas qu'à débarquer, ça ne va pas à value non plus. Attendez. Les débarquer, il a été reçu par eux. Donc, ça veut dire que t'es gain. Il y a toujours recevoir, c'est le président. Non, son institution indépendante. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à débarquer pour faire son pote pour l'entrée. Non, mais c'est que t'es gain pour le moins en communication qui était faite avant. Mon ami, c'est anti-premier ministre. Il était comme visiter tout. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie du carnaval politique pour un bagage. Quand il a compris ça, quoi dit moment. Vérité. Depuis, pas de courant, c'est coup de compte. Ok. Bon. Pas bonne bagage. C'est pas psychologique. C'est justement là que tu as besoin d'aller par rapport à ça. Coup de compte, c'est outrage à magistrat. Oui. Ouais. Ton juge lié. Fantica, est-ce qu'on est-ce qu'on partage? Où t'en dis ça, docteur Emmanuel Ménard dit là? Oui, justement, et puis c'est un motif d'intervention mentaux. Parce que nous sommes générations n'ont pas l'avant un petit peu, et puis nous disons même bien question, est-ce que monsieur besoin excuse? Donc il est en préparé l'opinion publique là, pour dire si jamais balle n'a pas marché, c'est pour des comptes qui bloquent contre eux. Parce que nous avons une analyse qu'on fait dans le cadre d'émission évité, et plusieurs endroits ça nous permet de passer à travers l'analyse. Nous faisons très bien que le cours supérieur des comptes en façon structurée n'est pas capable de contrat qui est établi. Parce qu'en fait, c'est à vie, le bail sur le contrat, nous avons vie ou les deux suivi ou non pas suivi. Et si bien que même gouvernement ça, dans le dossier d'Hermalogue, c'est un rapport qui est sorti parce que le gouvernement ça peut courant très bien. Où sont j'ai un rapport Conseil national des acteurs non étatiques, c'est un réseau national de défense des droits humains. C'est une commission épiscopale nationale justice et paix, et puis c'est un centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme qui était sorti rapport ça sous le dossier d'Hermalogue. Et puis si nous lisons l'article 45 rapport là, parallèlement sollicité pour donner son avis sur le contrat de gré à gré devant l'État haïtien avec la Hermalogue, les 16 février et 11 avril 2018, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a émis deux avis défavorables à la signature de ce contrat. Donc, nous voulons très bien que sur les contrats, il y a des avis défavorables. Paragraphe 46 dans le rapport ça, arguant que seule la sollicitation de l'avis de la Cour est obligatoire et que le gouvernement n'est pas lié par les avis émis par cette Cour, le 30 avril 2018, le gouvernement Moïse Lafontaine a adopté en Conseil des ministres une résolution donnant autorité au directeur de l'ONU, juge Jacques Hilbert, juge de Jacques Hilbert, justement, pour signer un contrat avec la Hermalogue. Donc, oui, le gouvernement, ça connaît très bien que il pas lié par avis courant, c'est avis de la baille. Donc, courant pas empêcher le bail contractif. Et nous, donc, oui, nous déploie dans la Hermalogue, là, donc, je connais. Et c'est même le gouvernement Louis, je connais. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas qu'à une intervention, monsieur, en courant, pour, comme si la doute a encouragé les gens pour ne pas traîner et puis avec le contrat, alors que si jamais il y a un contrat, sur les contrats qui empêchent le gouvernement de contrat, et nous venons noter l'analyse décret qui était sorti le 12 février 2020. Nous songez texte, ma chèche là, nous rejoignons, même songez et texte côté que nous dit jamais expliqué tout à l'heure par rapport au fait que le président bat tête li en certaine latitude dans la décision que la prend et justement grâce à décret ça. Justement, parce que nous songez le décret ça, il faut nous dire que le parlementaire, il y a nous dit, oui, qui permet d'arriver. Et si on allait dans la loi 10 juin 2009, qui était analysée en pile, la loi du 10 juin 2009 fixant les règles relatives au marché public, dans le cadre de ce pétro-caribien qui a analysé la loi en pile, et nous avons dit, ouais, c'est les trois raisons, c'est les trois types de contrats qui sont exemptés de l'application de la loi. Nous avons dit, ouais, si on était dans le cadre d'urgence, et nous avons dit, ouais,
dans le cadre de défense nationale, sécurité ou défense nationale. Donc, défense nationale, défense ou sécurité nationale. Mm-hmm. Et nous témoins, c'est dans le cadre de tout article 96 loi ça, parlementaire qui dit en attendant que nous fassions loi qui peut expliquer comment marche ce qui bat le cadre et défense ou sécurité nationale yo, à bail, mm-hmm. nous permet gouvernement sorti ou arrêté pour les fixer façon de les bailler en attendant. Et loi ça sorti en 2009, nous vivons en 2020, monsieur Badjan sorti loi. Monsieur Parlementaire pas sorti loi. Donc en quelque sorte, nous permet gouvernement de sortir décret. Une sortie décret, ça justement. Ça, gouvernement. Oui. Non, juste corroborer ce qu'on dit. Parce que l'absence de travail, ou bien, ça me d'accord, dit, fainéantisme qui gagne au niveau du Parlement, vient créer occasion pour que le décret 12 février a sorti. Justement, parce que si on fait loi, j'en ai dit, depuis 2009, nous en 2020, si on fait loi, nous avons un complément de temps pour le faire. Si on fait, j'en ai dit, le gouvernement n'a pas d'excuse pour une sortie décret. Et tant donné au parfait, non seulement au parfait, il te permet, il te dit dans l'article 96 et les lois, qu'en attendant, on fait loi, le gouvernement des lois sur son décret, ou doit arrêter pour lui expliquer comment je vais marcher. Mm-hmm. Ça, le gouvernement profite de faire, c'est le salon 12 février 2020, il vient sortir arrêter, côté de considérer marché et l'équité, comme des marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale. Mm-hmm. Et nous te dans l'article 2 à l'alinéa 11. Qui, non pas, ouais, qui ça, marché l'équité, qui a venu chercher, dans la défense ou sécurité nationale. Ouais. Et l'article, ça nous était très bien, étant donné la loi de l'exemple, la loi du 10 juin, marché de défense nationale exemple, et que le gouvernement vient de se arrêter, hein, côté de l'unité sur défense nationale, ça veut dire que le gouvernement vient de toute l'attitude. Parce que si il y a des articles, si arrêté, n'importe qui est responsable du marché d'ailleurs, ces personnes sont responsables du marché, donc probablement le ministère ou bien organisme capitalien. Ok, à ce moment-là, il faut uniquement chercher avis pour du père des comptes. C'est lui pour évaluer Ofio. Et nous, il y a une commission nationale marché public, là, qui lui-même, c'est uniquement avis conforme à procédure la baille. C'est toujours l'article 6 arrêté, hein. Et pas oublier que commission nationale marché public, là, il est sous l'autorité premier ministre, là, nous, il est dans le droit 10 juin. Qui sont aberrations. Et premier ministre, c'est chef gouvernement. Donc, trouvez les voies. Gouvernement a bail contrat. Commission nationale de marché public qui l'a pour analyser le contrat, mais sous l'autorité pour le ministre. Donc, c'est l'ensemble. Tandis que défense nationale n'a pas une besoin de passer par le ça de toute façon, parce qu'il y a toute l'attitude libre pour le contrat aux gens qui vous plaît. Et ouais, coup sur des contrats, tout, c'est juste avis du cabaye sous bandeau. C'est tout ça pour expliquer que le gouvernement n'a dit aucune excuse pour dire que le coup sur des comptes empêche le contrat civilé. Et nous, c'est une façon de les restructurer, de les réorganiser le marché électricité. Sinon, les articles sont arrêtés. On pourrait que le coup sur les comptes, c'est simplement le rôle d'ordre civil qui peut pas jouer. Le tout bas est fini, il n'y a pas de copie. Et changer l'article 3, arrêter ça, sur le marché de défense ou sécurité nationale. Nous pouvons très bien que l'article 3, il spécifie que nos fournisseurs, pour compte nous entendre, nos entrepreneurs, nos fournisseurs, pour compte nous entendre avec un prestataire de service, ou bien avec l'État, il faut faire preuve de discrétion. Il faut accepter de signer avec personne responsable marché, il n'y a pas de confidentialité. Nous devons être à l'institut arrêté. Ça veut dire que l'entreprise ça, que nous ne connaissons pas, qui peut signer un contrat d'électricité, il faut aussi un pas de confidentialité. Ça veut dire que nous ne sommes pas même au courant du contrat. Nous ne continuons pas à connaître. Et on a même arrêté ça, il faut que nous disions tout, c'est que. Moun qui participe et qui pas gagné le concours, mais moun sa yo pas totalement perdant selon ce qui sorti. Non, yo pas totalement perdant parce que article 7.3.3 arrêté 1, m'appelle textuel comme nous, la personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant du prime, il est écrit. Le montant du prix, mais c'est au début du contrat, est indiqué dans les documents de consultation et la rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime, la deuxième phrase de la prime, reçue pour sa participation à la procédure. Donc, essayez d'imaginer, lorsque un article comme il s'avère dans on paye aussi pauvre. Nous ne pouvons pas comprendre ça qui va passer là. On paye aussi pauvre. Avec vous gagnez ça même dans la loi, avec les gens qui participent, même s'ils n'ont pas gagné, mais la journée quand même dans le monde qui.
Parce que dans le contexte, ça va être un contexte de blackout total. Blackout dans tous les sens. Très bien. France. Dans le contrat, parce qu'au moment de signer, confidentialité, ça ne veut pas dire qu'on va parler de contrat. On va parler de contrat. On va au courant, ça ne passe pas le contrat. C'est dire pas même qu'on a une entreprise qui est participée dans le processus. Qu'on a eu un droit encore, puis on a eu un prix. Ça veut dire qu'on n'a pas même le processus. Je décide de mon prix sous prétexte que je n'ai pas participé dans le processus et je n'ai pas de contrat. On va pas de contrat. On n'a pas le droit de dire ça, tu n'as pas parler. Ou nous pas au courant parce que nous ne sommes pas censés au courant. Très donc, c'est dans le contexte. Donc, même les gens qui ont parlé, ils ont formé le secteur. Même les gens qui ont parlé, ils ont dit la carotte, ils ont dit qu'ils ont fait une situation. Hein. Et puis, même sous qui base légale, ils ont fait le sel. Donc, ça, et c'est pour ça que nous soulever, pour montrer que nous comprenons ce qu'on fait. Très bien. Parce que, si vous voulez ouvrir les valeurs, peu importe le secteur, sauf le secteur électricité, c'est des beaux produits, ça coûte l'État, c'est 12 millions de dollars américains par mois. Mais quand il y a une analyse, nous avons un rapport qui dit mais qui ça t'a coûté l'État présentement et mais qui service qui est arrivé joindre. Quand il y a dit mais qui l'autre option qu'on gagne, est-ce qu'on veut privatiser complètement, qui ça t'a coûté l'État, qui ça l'a rapporté l'État, ou bien est-ce qu'on veut faire partenariat public-privé, qui, donc en d'autres termes, on voit qu'il faut une analyse pour bénéfice pour moi. On voit donc différentes options, et puis nous voit le comparer, ou nous voit le dire pour qui ça choisit l'option choisie. Mais non pas dit une information. D'accord. Franz, merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Voilà. Madame, monsieur, c'était expert Franz, vérificateur Jean-Noël. À chaque fois que monsieur est intervenu, c'est vraiment avec les décrets ou bien les arrêtés en main pour nous capables de permettre que la société à comprendre sa cap sortie et qui impacte que vous allez gagner. On a toujours été Canada parce que Jocelyn Saint-Hilaire est allé. Très bien. Moi-même, je me déplace un petit moment à Dr. Francillon. Oui, c'est juste après, pour c'est une brève intervention. Naturellement, tu as annoncé que madame Nadine Giraud, qui c'est une haïtienne, une canado-haïtienne, c'est capable de comme ça, ou bien une canadienne d'origine haïtienne, que vous faites nommer ministre des Relations internationales. Jocelyn Saint-Hilaire, en direct, Ottawa, et bonsoir et bienvenue dans Moment Vérité. Bonsoir Pétrichon, bonsoir Marcel Joseph, Nathalie et maître professeur Colonel Emeritu, avec le panéliste qui est ensemble avec vous, matin en pays. Je profite l'occasion pour nous saluer en pile, fait avant auditeur, émission en vérité, notamment c'est là au Cap-Côté en Haïti, dans le nord-est pays, au Canada, et il y a en pile auditeur qui va jamais rater l'émission ça, tel que. Et M. Jérôme Michel Enfant, Jonas Bébé, Hubert Gilbert, Renal Casimir, tout au Nelson, mais c'est ça, on va jamais rater l'émission là même. Chaque matin, nous profitons l'occasion pour nous saluer. J'en dis à M. Petit Jean, c'est la joie chez tous les ressortissants haïtiens qui sont dans la diaspora, notamment au Canada. Nous comptons aujourd'hui, plusieurs haïtiens à briser des postes aussi importants qu'on a dans le Canada. Après, Mme Dominique Anglade, c'est une boucle de poste chef du Parti libéral du Québec, qui éventuellement capable de ministre Québec, à premier ministre Canada, dépendamment des résultats d'élection qu'après vous faites. Je fais référence à Michael Lejean, qui est gouverneur général du Canada, et je dis à Mme Nadine Giraud, alors Giraud, pardon, lui-même qui est nommé ministre chargé des relations internationales au niveau du gouvernement du Québec, dirigé par M. François Legault. Madame Nadine Giraud, qui a 60 ans, c'est une Canadienne d'origine haïtienne, même le pas fait au Canada, il fait de la Mississippi aux États-Unis d'Amérique, mais il grandit au Canada, il est député Saint-Bernard dans Québec, et je vous dis à l'île ministre, nous avons dit ministre d'immigration dans le gouvernement François Legault, et il a rappelé pour l'auditeur radio Signal FMIO. Pour être ministre au Canada, il faut absolument être...